Bonsoir Twitch et bienvenue dans ce live JDR d'horreur. Je suis avec Gekmu, Gabichou et Sirfinou. Et nous sommes toujours en vie. Merci Redacted qui c'est dit... C'est qui celui avec les lunettes? C'est qui celui avec les lunettes? C'est Oh putain de Maxime. Cul, un petit serpent. Merci Escape RPG. C'est l'anniversaire des mois consécutifs. Youpi, j'espère gagner le JDR ce soir. Une fois que j'aurai trahi les deux autres. Putain, du coup, c'est ce fameux live où... tous les... En fait, il n'y a pas de viewers. Et il n'y a que les joueurs qui se... Ils discutent dans le chat. C'est trop triste. Et du coup, il y a un gros écran. Merci, merci, Furious Banana Cab. Et bienvenue dans ce live où je l'aime pas, ce mec. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, sur les lives, tu me mets Gabichou à chaque fois. Du coup, je vais dans le chat. Dans le chat, c'est Redacted. Du coup, pour les gens, ça se trouve, c'est deux personnes différentes. Ah bah pour moi, ouais, c'est ça. Bah c'est comme moi, on sait que c'est Sirfine. Son vrai nom, c'est NDA. C'est vas-y, vrai. Vas-y, allez, le gars il balance les vieux bails. Par contre, fallait pas le dire parce que c'est une non disclosure. J'ai jamais entendu cette blague de ma vie, franchement. Ouais, non, merci. Heureusement que je suis là. Mais, merci, mec. Soupe aux souches. Alors que je regarde depuis bien plus longtemps que ça. Mais chut. C'est vrai, c'est une honte. Il vous reste moi, j'ai 82 what the fuck. 82 mois, c'est beaucoup en vrai. Moi j'en suis à non, toi t'es nouveau, toi arrête, je suis pas dedans hein, je crois, je sais pas si ça marche, mais on voit carrément sur ma boîte. 82 mois 82 mois aussi, merci beaucoup à Gekmo et merci beaucoup Simiokin. Et du coup, le train de live est lancé. Le prochain son, c'est le son que fait Gabichou en s'endormant. Oh putain. Chabek Lubek, les machins Lubek. Yes. C'est exactement ce que je fais, mais en m'endormant et toute la nuit après. Le son que fait Sirfine en allant aux toilettes. C'est diabolistique. Le son que fait Gekmu en pissant. En éjaculant. Et Arum fait comme les Putain. Le son que fait CC Trouille. Tu vas m'empêcher de rêver de danser. En baillant. Tu vas m'empêcher de rêver et de danser. C'est le son qu'elle fait en général. En vrai, c'est vrai. Souvent, elle m'a tapé comme ça. Pour ça. Merci beaucoup, c'est Nord Trickstore. Trickstore, ça sonne jouet sexuel massif. C'est le Trickstore. Oui. T'as jamais acheté de Trickstore, Gavichou? Non, c'est trop petit. Ouf. Gavichou est bien équipé. Non, c'est pour compenser. Baron Lou dit, j'arrive, premier mot que j'entends, on éjacule. Salut, Ebi. Oui, c'est un stream Globtopus, ma foi, c'est... Ouais, même voir un peu... Ouais, j'avoue. Même bon, pas basique, je trouve un peu désastre. Ouais, un peu, ouais. Non, mais on avait dit que c'était sérieux, du coup. Alors, c'est, alors, c'est un gars, il va avoir une... Non. Alors, il va encore raconter ses blagues bigarres. Il aime beaucoup trop les blagues bigarres. Le train de l'hype est baisé, non? On ferait pas un JDR bigarre? Ouais, il est bloqué à 100% niveau 2, là. Ouais. Il faut absolument le passer au niveau 200, je vous le rappelle. 200? Oui. Ouais. Et non, on tue Sirfin. J'envoie un mail à ma banque. S'il vous plaît, le niveau 200, du coup. Salut, Nekouan. Salut, encore Mathilde Ange. Mathilde Ange qui a gagné au bille. Les maths c'est facile, hein. Bah ouais, les maths c'est facile. C'est vrai. C'est le VF Code, c'est le pli ton linge. Enfin non, les maths c'est pas facile en vrai. Un train qui déraille. J'avoue que ça déraille un peu. Les maths c'est facile. Basiquement c'est 1 plus 1 et après le reste. Ouais, suffit, l'arithmétique. Exact. C'est vrai que les mathématiques ça regroupe quoi? L'arithmétique, la géométrie ou pas du tout? Ouais. La géographie, ouais. La géométrie et tout ça. Merci Scrapouette. Le prochain son, c'est le son que fait Nekour quand elle rentre chez elle. Et salut Nekour. Salut Nekour. Ça peut être tout et n'importe quoi. Salut Charlie Lius. Les maths. Mais moi, non, les mais attends, maths. Il faut que je fasse un son si on veut. Moi, j'étais ultra fort. Bah, oui. J'étais ultra fort en maths. Pour vous donner une idée, j'avais 3 à l'année en terminale et j'ai eu 6. Au bac. Donc j'ai doublé. Ta note, quoi. Pour te dire, j'étais tellement fort en maths que j'ai arrêté d'avoir des maths en première et terminale. Donc. T'as pas pris l'aspect maths pour avoir des points en plus? Non, non, j'ai fait littéraire, j'avais pris l'aspect anglais et l'aspect théâtre pour avoir des points en plus.
Moi, je travaille dans une boîte où Matt, c'est la une partie du nom. Donc... Salut Dicky P. Ah, hein. Il travaille pour Matt Podcast. T'es pas... Oh non pas... Tu fais pas JDR ce soir, Dicky P? T'es là, t'es littéralement à côté de moi. Bah, Dicky P, oui. T'es là, t'es juste là. Ah ouais, on a changé d'équipe. Sans que personne s'en rende compte. Personne ne s'en rend compte. Enfin. Si c'est celui qui pète. C'est de qui lui pète la gueule. Ça serait que ça aurait été drôle, Neko, malheureusement, non. Oui, t'es en retard. Merci, c'est honteux. J'ai eu 6,5 en maths. Je suis plus forte que Boskim. Attention, j'étais S. J'étais. Oh. Si vous êtes S. D'accord. Ah merde. Moi j'étais S, merci. J'ai eu 7. Wow. Un poids entier de plus que moi. Mais deux pires notes au bac, c'était maths et informatique. Tu partais maths. Merci Falcon. Après, je pense que ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, et clairement, pour le coup, j'étais vachement plus tente. Enfin, les notes, ça n'a aucun sens. SPSVT. SPSVT, ça reste S. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, il y a SPSVT. Non, ça reste S. Qu'est-ce qu'ils ont contre la SPSVT là? Bon Gekmou, un petit message pour dire qu'on a vu SM Backroom et que t'étais très bien dedans, respect à toi et oui. Bravo Léna pour cette saison très originale, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé naze. Ah moi aussi. Hein. Mais c'est à cause du MJ, il est nul. Non, moi ce que j'ai pas aimé c'est tout le passage avec l'autre François au téléphone, j'ai trouvé ça très bizarre. C'était un petit peu trop décalé par rapport au reste du... Bah c'est ça, puis le fait que ça dure 45 minutes, que l'entièreté de l'épisode 2 c'est ça. Pas ouf, ouais. Tu voulais être géologue? Pourquoi tu ne l'as pas fait, Python Lynch? Parce que en vrai, je pense à un bon choix de ne pas le faire. Enfin, je ne pense pas que ça soit porteur comme. C'est peut-être ce genre de travail où soit tu deviens chercheur, soit tu fais de l'éducation. Et sinon, sinon tu n'as rien. Après, bon, non, avec en vrai, les géologues, il y a certainement plein de trucs dans l'industrie pour les constructions et tout. Le train de l'hype était tellement baisé, on s'est fait arnaquer les gens. Oh! Back L Power, oui, doctorant et chômeur. mon prof de maths en seconde m'a dit que j'aurais jamais la moyenne en maths au bac. J'ai eu 15 par cool L, option art plastique avec des notes de merde en langue et littérature. Putain. J'ai remarqué la saison ces derniers jours et dur de pas penser à Claude François du coup. Il dit quoi? J'ai rien dit contre les PSVT, au contraire. Moi j'ai dit le contraire, j'ai dit c'était bien. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait il y a beaucoup... En tout cas, à mon époque, t'avais vraiment les SP maths, les SP SVT, c'est vraiment des nuls, je sais pas quoi, machin. Ce qui était pas du tout. Putain, c'est quoi ce zoom de l'enfer qu'il a mis? C'est quoi ce zoom? Le cadrage des bichous est toujours parfait. Incre. Les géologues que je connais bossent dans le pétrole et gagnent bien trop d'argent. Ouais, mais ils bossent dans le pétrole, donc ça veut dire que c'est quand même des mauvaises personnes. C'est ça, c'est pas des gens très très bien. Non mais après genre pour les trucs genre enfin quand tu vas construire des bâtiments ce genre de trucs il y a peut-être des études à faire. Tain, sur puis ton linge c'est triste, tu dis en vrai je me suis braqué contre une connasse de prof au lycée et j'ai littéralement arrêté de bosser. En vrai je comprends, enfin moi j'ai arrêté de bosser à partir de la première parce que en gros première S on arrive, il y a la prof qui fait le premier contrôle, j'ai tout bon et donc du coup tu sais généralement je sais pas si vous faites ça mais tu sais tu fais la correction. Et après, elle te donne la note. C'était très bizarre de faire ça, je trouve. Mais bon, c'était pour que tout le monde se sente concerné. Mais du coup, je vois que j'ai tout. Elle me rend ma copie et j'ai genre 10,5 sur 20. Et je lui fais madame, j'ai toutes les bonnes réponses. Elle fait oui, mais tu n'as pas mis toutes les explications et tu aurais pu soigner un peu plus ta copie. Elle parlait vraiment comme ça. Genre la moitié de la note qui part à cause de ça. Et du coup, je lui fais mais madame, c'est horrible là, je suis baisé. Elle fait mais tu te rattraperas au prochain. Eh ben non. Meurs. Étonnamment non. Et j'ai eu les mêmes. Tu sais quoi le pire là-dedans? C'est que j'ai eu les mêmes notes après, parce que de toute façon, t'as juste à, tu réponds à pas à tout, t'as pas tout, mais si tu mets juste un peu les explications, c'était. En vrai, franchement, Similoxine, c'est une des inspirations de Mademoiselle Ortigan. En vrai, franchement, maintenant que j'y pense sincèrement, elle s'appelait Simone. Non, elle s'appelait pas Simone. Elle s'appelait putain. Yes. Ah si, je sais comment elle s'appelle, mais je vais pas dire son nom. J'ai l'impression que ma cam lag du cul, non? Elle lag un petit peu, mais ça va. Et que c'est un peu en... Que l'audio est passé du cul, carrément. Je vais essayer de déconnecter, reconnecter le truc rapidement. Ça va être un live problème technique. Ouais. Attends, je t'aide. Tu vois mieux, là? Ah non, il est parti trop vite. Si je peux activer sa lampe torche. Putain, du coup, ça à mon avis, c'est toujours activé. Que c'est vrai,
Si, là, le flash est activé. Le flash dans ma gueule, oui. Ouais, on est d'accord. Putain, je vais l'éteindre. Rame un peu du cul hein, avec ton vieux site nul, là. Oh, c'est ton vieux téléphone nul qui me... Ouais, je pense que c'est plus le téléphone dit, qui rame. Le plugin dont j'ai parlé tout à l'heure, ça rame jamais. Hein. Merci, vainqueur. Ouais, ton téléphone est en train de prendre feu, c'est tout. Ça, c'est normal, ça. Merci beaucoup, vainqueur, cette musique. C'est toi aussi t'es très de... prof de maths déconnecté au plan euclidien. J'avoue. Moi ça va, j'avais pas de mauvaise prof de maths. Tu disais, Gekmo. Ouais, en parlant de chaud, j'ai ouvert la fenêtre cette nuit et je me suis fait bouffer par les moustiques. On est même pas en avril, j'ai envie de crever. Mais en même temps, t'habites dans le sud. J'habite pas dans le sud, non, mais c'est surtout que... Alors, attendez les gens. Grenoble, c'est pas le sud, c'est Grenoble, clairement c'est plutôt le sud. Sud. Mais Grenoble, c'est pas. Mais... Après, j'en ai déjà eu à Nantes en février, donc à partir de là. Après, vraiment, c'est aussi. Est-ce que tu peux baisser le gain de ton micro? Ouais. Parce que du coup, comme t'es plus près, okay. Ça a tendance à s'attuer. Mais ouais, c'est aussi que mon la fenêtre de ma chambre donne sur un toit végétalisé, du coup. Un mois végétalisé, c'est ouais, trop bizarre. Exactement. Merci, Doudy Bell. Un maskim, un grand front. Avec what the fuck. En plus, mais heureusement tu dis ça. Déménager. Tu dis ça avec nous. Ouais, en vrai, je te ferme ma gueule, c'est clair. Type grand front. Bah ouais, on est les grands fronts. Le pire, c'est qu'elle avait rien contre moi en particulier au début, mais elle était hautaine comme pas possible et très mauvaise pédagogue. Un jour, elle a dit à une fille de la classe qu'elle n'arriverait jamais à faire ce qu'elle voulait devenir et je l'ai pris en travers de la gueule alors que je n'aimais pas, même pas cette fille. Bah, en vrai, c'est ça que le truc, c'est que les profs... Merci beaucoup à Needle Fortnite. Non, surtout merci Soupo Sushi. les profs, des fois, ils peuvent te baiser de ouf ta motivation dès le début. C'est chaud. Un petit podcast sur les profs ou quoi, là Ouais. Franchement, hein. Moi, j'avais vraiment ressenti la différence entre quand j'étais... au lycée et à la fac, genre les profs de maths, tu passes d'un coup de profs de maths super blasés à des profs de maths super passionnés, et en fait ça change tellement le tout, quoi. Mais... D'accord. Alors, Bandef pour. Non, il est très bien. Manult 1-2-1-8. Non, mais c'est garanti, Grenoble, c'est dans le sud. Mais pour moi, la majorité de la France, c'est le sud. Je viens de Nancy. C'est tout en. Enfin, bah, le reste, c'est le sud, quoi. Mais vous moi, êtes j'estime que déjà en dessous de Paris, on commence à être dans le sud. Exactement. Mais si à partir du moment où t'arrives en dessous de Lyon, c'est sûr que t'es dans le sud. Ouais, voilà. Déjà, ouais. Lyon, c'est le sud. Ouais. Bah oui. Dans des comportements de sud. Bon bah mais je c'est pense ça. Que de toute façon déjà, Maxime il fait beau, t'allais me virer ce soir, bah moi il je démissionne. Il fait beau la moitié de l'année, t'es, donc genre rien que ça veut dire que t'es dans le sud. Ouais, voilà. Vous êtes tous dans l'Est. Eh bah écoute. Je veux bien être dans l'Est. VMGen qui a littéralement dit Paris, nous sommes une équipe du sud. Donc la vérité. Voilà. Timmy Oxine dit moi je me souviens d'une prof de grec ancien, putain, en prépa. Qui hurlait sur l'une de mes camarades parce qu'elle comprenait pas un texte, sauf que personne pigeait rien. Elle s'est rendue compte qu'elle était giga agressive et s'est choquée toute seule. C'était bizarre. Mais ça, alors ça, je pense que ça peut effectivement arriver des moments où tu pètes un peu un câble et en fait tu te rends compte que t'es la pire personne à ce moment-là. Et... Moi, ça m'arrive à tous les tournages parce qu'en fait, au tournage, je hurle en continu sur les gens. C'est un truc. Tournage, hein. Mais c'est comme ça qu'il s'échauffe la voix. Je coupe juste le micro pour le live. Et Mais voilà, c'est tout. Je suis à. Putain, je déteste les gens qui disent. Ouais, je suis un peu nerveux. Je suis un peu nerveux. C'est vraiment un peu comme genre les gens qui disent. Non, mais je contrôle pas ma force. Excuse-moi. Ah, aïe. Ça, c'est horrible. Mais vraiment, je contrôle pas ma force. Tu peux rien. Si tu la contrôles, tu fais exprès de nous faire mal. Arrête de te pas... foutre de ma, alors, avec de ma gueule. Le truc, c'est honnêtement, je pense pas qu'un os brisé, ça fasse si mal. Hmm. Bah, ça, je me suis jamais rien cassé, moi, personnellement. Moi non plus. C'est la team dure, hein. Team dure, mec. Team dure, mec. Yeah, let's go. Constamment. Ouais. Recon, on va s'appeler. Exactement. Recarde même, c'est mieux. Hein. Oui. Ouais. Du coup, histoire de donner du grain à moudre contre les profs relous, on dit pas en dessous, on dit au sud de Lyon. Bonne dev, s'il vous plaît. Tu peux dire en dessous, en vrai. De fait, je pense qu'on peut tous apprécier le fait que sur une carte, c'est en dessous. Oui.
Le premier os cassé fait super mal, mais suivant c'est supportable. En vrai, t'es cassé, tu veux casser les autres. C'est le premier, c'est ça. Du coup, si t'en casses un, autant casser les autres derrière, quoi. Bah, oui, c'est ça. Voilà, c'est... jamais 203. Exactement. Mais tu viens de m'en casser un. Hein. Pourquoi t'es déjà à 3 quelqu'un d'autre, hein. Oui, ah, c'est oui, ça. Bien sûr. Bah, ouais. Et oh. Tant que c'est pas les miens. Mais moi, je me suis jamais rien cassé. Ça veut dire que techniquement, les autres font pas assez d'efforts. Mm-hmm, c'est vrai. Alors, la vie est trop faible. Je suis sur la page de Lyon, là. Et ils disent Lyon, ville du Sud. Lyon.fr. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Gekmou ? Grenoble, ville. Ah, il s'est marqué la ville à l'extrême sud. Après nous, c'est la mer. Hein, ils mettent, après nous, c'est la mer. La capitale des Alpes, à côté de la Méditerranée. Grenoble, cette île au milieu de l'océan Atlantique. C'est ce qu'ils mettent. Donc, voilà. Team en mousse, j'ai des douleurs chroniques hyper invalidantes et j'ai chuté après avoir raté une marche. Et ça fait des années que ça dure. Que tu chutes ? Rattrape-toi hein. Putain, non, mais... en vrai par contre les douleurs chroniques et tout ça, ça doit être cauchemardesque. Mais les os par contre ça a rien. La carte tu peux la mettre à l'envers, en dessous ça veut plus rien dire. Oui, mais en fait du coup elle est à l'envers. Elle est à l'envers, tu viens de le dire toi-même. C'est, tous les noms sont à l'envers. Tu viens de le dire. Attends, je comprends pas là, on est à Noïl. C'est où Du coup en haut de Noïl. Mais en dessous de Lyon. En tant que vrai sudiste, je proteste. Et Knarf, c'est où ça? Putain, c'est une référence au donjon de Nelbuck. Ouais. Sisteron. Putain, c'est beau, Sisteron. Sisteron. Se prononce bien Sisteron. Ah bon? Gekmou, il y croit. What? Ça me met que t'y crois immédiatement. Ah non, mais moi, je veux bien me remettre en question. Hein. Oui, mais bon, à ce moment. C'est pas exagéré non plus. Je t'ai littéralement c'est sur la page où ils disent les noms. Merci beaucoup, Murnilia. Excuse-moi, j'avais pas vu. J'ai officiellement envie de creuser Wikipédia. Grenoble est une commune du sud-est de la France. Bam. Mais c'était sûr. Mais prends la France. Oui, non, en fait, bon. Les gens qui comprennent pas les trucs, prenez la France, faites une croix. Vous verrez que le milieu, en fait, il est genre, étonnamment au centre. Et du coup, tout ce qui est en dessous du centre, c'est le sud. Mais c'est surtout que, genre, littéralement, Grenoble, c'est au même niveau que Bordeaux. Oui, mais c'est pas pareil. Bah oui, mais c'est genre, Bordeaux, c'est le sud. T'es taré. Après, j'ai du mal à me dire Bordeaux, c'est le sud, moi, mais... Oui, d'accord, Bordeaux, c'est le sud. Mais oui, non, mais pourquoi Bordeaux, hein. C'est pas le sud ? Ah, oh, si. Ouais. Sud-ouest. Attends, tu peux pas dire que Bordeaux, c'est pas le sud. J'ai déjà une personne qui m'a dit que Bordeaux, c'était pas le sud. C'est pas, c'était un plus le centre. À Madrid ? C'était plus le centre. Et du coup, est-ce qu'il faut que je déménage Bordeaux, c'est la ville. Mais vous êtes fous. Bordeaux, c'est mais voilà, il y a des gens qui disent ça. Ils existent, mais Bordeaux, c'est jamais le sud. Mais Bordeaux, c'est ville du sud-ouest, c'est sûr. Si, ouais. Bordeaux, je pense que c'est littéralement qualifié comme la capitale du sud-ouest, non. Tu vois. Oh non, Bordeaux, c'est pas le sud, putain, le Kong, là. Alors, non. Dans le sud-ouest de la France, Toulouse, allez hop, c'est bon, fermez-la. Non, mais ça me saoule, quoi. La Nouvelle-Aquitaine, c'est pas le nord de la France. Hein. En plus, ça veut dire que vous vous définissez par quoi. Enfin, genre, littéralement, j'ai la carte sous les yeux, vous êtes fous. Mais vous êtes juste fous. Genre, littéralement, regardez ça. Genre, bah oui, mais du coup, ça a effacé Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est genre... Hop, ouais, bah, c'est en dessous du trait. C'est là, c'est en dessous de ça. C'est ici. Ouais. Genre, à quel point c'est pas le sud. Regardez, mon écran, il manque tout le nord de la France. et c'est quand même dans le sud. Un bon deux tiers. Genre, ça, déjà, cette ligne-là, c'est j'estime qu'elle est déjà... Cette ligne-là, j'estime déjà que c'est le sud, hein, qu'on soit bien d'accord. Mm. Pour moi, le sud, il commence ici. Oui, mais du coup, il y a pas de la France dans ta France. Mais si, il y a le centre. Tout ça, là, toute cette zone-là, c'est le centre. Une bande de 10 km. D'accord, mec, t'habites ici. C'est là, Grenoble. Non, c'est peut-être là. Non, c'est plus bas. C'est plus bas. Oh, voilà, t'étais à pied, j'ai tombé dedans. Sac à merde. Il est tombé directement dedans à deux pieds, putain. Oh non. Non mais je posais ma démission. Il y a une différence entre la géographie et le sud de la France. Mais Gekmou, tu vas démissionner, mais on a été augmenté de 200%. Comment? Mais à tot, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre la géographie et le sud de la France. Comment ça? Je comprends pas. C'est vraiment deux concepts. Il y a une différence entre la science et la chimie.
Bah, le sud, c'est là où ils ont l'accent. Hein on n'a pas d'accent ici. Non, il n'y a pas d'accent dans plein de... En vrai, franchement, si tu vas à Toulon, ils n'ont pas d'accent. Ouais. Et c'est dans le sud. Ils n'ont pas d'accent à Toulon. Toulon, c'est une des villes où il n'y a, ouais, pas... a pas d'accent. Bizarre, hein. Y a, par exemple, si je dis pas de la merde, c'est genre. Cannes, il n'y a pas. Très vite, pas loin de Toulon. Ça dépend des villes. En fait, vraiment. Parce que si je dis pas de la merde, je crois que genre à Antibes, il n'y a pas l'accent. Et par contre, à Nice et Cannes, il y a l'accent. Ça dépend des endroits. Mm. Mais par exemple, Cannes, Nice, je veux dire, il y a vraiment genre moite-moite. Et pourtant, c'est une ville. Ouais. Pourtant, c'est une ville. Et pourtant, c'est une ville. Ouais. Je suis à Toulouse, j'ai pas l'accès. Ouais, mais tout le monde va pas à Toulon. C'est vrai. Ouais, Loxilox, t'as pas été Toulon. Pour des bonnes raisons, d'ailleurs. Bah, Toulon, c'est pas la ville. C'est pas dans mon top 100. Bah, moi, je sais qu'il y a pas mal de trucs sympas à faire, comme par exemple... Partir. Voilà. Aller dans d'autres villes. Si, tu peux t'emmerder, en vrai, c'est sympa. Si tu veux te reposer comme il faut... Bah, à Toulon, il y a certainement une super gare qui dessert plein d'endroits super sympas. La gare est pas ouf. En vrai. Merde. La gare du Nord, à la place, si tu veux. Hein. Au moins, il y a de l'action. Hein. Toulon, c'est vraiment pas ouf. Genre, vraiment. J'y allais beaucoup parce que mon père habite là-bas, mais j'aime pas du tout. Toulon, c'est vraiment... Alors que tout le reste des villes autour, franchement, c'est mieux. Cannes, ça pue quand même un peu du cul. Ouais, mais même Cannes, c'est mieux que tout. Putain, même Cannes, c'est mieux parce que vraiment Cannes, ça me c'est vraiment creux, pas terrible. Alors, t'as dit que le problème avec Lille, c'est que c'est Lille en fait. Voilà, c'est tout. Bah, le problème de Lille, c'est que déjà, c'est pas Lille, c'est Lille et Roubaix et Tourcoing. Et déjà, ça, c'est un autre problème. Et le problème, c'est que vous êtes vraiment dans un endroit qui est pas. Non, après. Puis c'est vachement loin, y a à côté, il y a l'Équin quand même, c'est vachement le feu, il y a plein de trucs à faire là-bas, c'est trop trop bien. L'Équin ? Ouais, c'est vraiment trop bien côté Lille, faut y aller absolument. Il y a plein de trucs à faire et puis du coup, pour avoir son entreprise là-bas, c'est trop bien. Je suis un citoyen du monde. Ça me donne envie de... bah, je suis à Toulon, il n'y a pas d'accent, mais par contre, on me dit que j'ai un accent du Nord. What ? What ? Ah oui, parce qu'il n'a pas d'accent. Putain. C'est incroyable. Toulon ou Paris égale méga escape game à partir du moment où tu emménages, tu gagnes si tu arrives à te tirer. Ah bah moi je gagne, j'ai hâte de gagner dans ce cas là, putain, j'en ai marre de perdre là. Cannes c'est une ville de vieux, la Côte d'Azur c'est une ville de vieux. Enfin genre, oui. Qu'on soit d'accord, toute la Côte d'Azur c'est des vieux. C'est cool. Je connais un mec qui habite là-bas, il est vieux. Il, est vieux. Il s'appelle Doc Knock Poop. Il est vieux. Il a un gamin. Bah disons que c'est vraiment ce qui le définit quoi. Bah, en vrai, franchement, il a un gamin. La dernière fois que j'ai vu, il prenait des médicaments pour... Ah, mais il prend de la drogue, par contre. Hein, c'est ouais, il prend de la drogue. Oui. Mais il prenait des médicaments de vieux. Il me disait, c'est pour mon nez. J'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Mmh. Mais voilà. Oui. C'est tellement vrai, de vieux et de russes. Définissons ville pour voir. Bah, un truc qui fait plus que, je dirais, plus de 20 000 habitants. Bah, peut-être un peu plus que ça. Peut-être 10 000 habitants, plus de 10 000 habitants. Oui. Après, t'as des métropoles. Métropole, pour moi, c'est plus de 100 000 habitants. Et après, t'as des mégapoles. Là, pour moi, c'est plus d'un million d'habitants. Et des ultrapoles. T'as des turbopoles. Turbopoles. Bienvenue dans la turbopole du futur. Néo-Melun. Néo-Melun, quoi, let's go. Eh, franchement, est-ce que ce serait pas une saison sur Machination, ça? Ah, Néo-Melun. Bah, Néo-Melun. la saison Cyberpunk, ce sera Néo-Melun. Néo-Melun. Ah là, let's go. Hein. L'année 2035. Oui, bon, c'est pas si avant. Pas dans techniquement, c'est le futur quand même, hein, ça va. Hein. C'est ça, c'est il... pareil que maintenant. Juste c'est le futur. On s'emmerde encore plus. Gros Popol. Oui, Loïc. Bonsoir, Loki. Du coup, c'est quoi juste un Paul? Bah, un Paul, c'est un mec sympa, tu sais. Ouais, il est cool, franchement. Ouais, ça dépend lesquels. Hein. Ouais, ça dépend. Parce qu'il y en a parfois, ils deviennent un peu des turbo-nazis de l'espace, mais. C'est vrai. Tu viens de faire une très bonne remarque. C'est vrai. S'ils sont Atreides, attention. Il est vrai. Globtopol. Non, nous, c'est Globtopia. Nous, on est. Alors, nous, c'est pas pareil. Nous, c'est une utopie. Hein, tout le monde est heureux. Enfin, de toute façon, il y a littéralement une loi qui te rend, qui t'oblige à être heureux. Donc, c'est une utopie avec une cave. Oui. Mais finalement, est-ce que c'est pas, ça fait partie de l'utopie cette cave? Vous y êtes très heureux. Au dernier sondage, c'est quand même 100% de satisfaction dans la cave. Oui. Oui. C'est pas du tout moi qui ai envoyé un message vocal l'autre jour. Non. Ah oui, c'était trop bien ça. J'avais complètement oublié pendant le live de lundi en fait.
ils arrêtaient pas de m'envoyer des messages vocaux, de témoignages en mode oui, c'est vraiment trop bien. Enfin, ils disaient des trucs positifs, je crois. Et bien alors... sûr, pourquoi ils feraient autre chose ? C'est ça. Moi, j'aime bien les pâtisseries de chez Paul. Tain, alors moi, j'aime pas. Caca chez Paul. Non, elles sont... c'est Paul, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est méga cher. Et ma copine dit bah, oh, ça va. Et je fais. Ouf. Bah, ah, c'est un peu comme McDo, c'est-à-dire, il y a un côté. Ouais, c'est mieux quand même, je trouve. Tu sais à quoi t'attendre. J'avais acheté un sandwich avec des tomates dedans une fois et les machins étaient alors, genre granités, c'était la moitié congelée encore, c'était bien dégueulasse. J'ai une opinion très tranchée sur les tomates dans les sandwichs. Mais... oui, vas-y, mais bon. Dis-nous. T'as pas de goût, toi. Bah, ça fout en l'air les sandwichs, c'est quand même. Alors, ça dépend. C'est parce qu'elles sont mal foutues. Oui, si tu retires le centre qui est humide, normalement, c'est bon. Tu les sales un peu avant. C'est parfait. Mais oui. Pas des tranches trop. Mais les tomates dans les burgers, moi je trouve ça rend juste les burgers casse-gueule à souhait. Après, je dis ça aussi parce que je suis un peu maladroit. Un peu maladroit. Les tranches de tomates, elles sont flashback très sur tous les moments où Geekmou était un peu maladroit. Bon, on revient dans un quart d'heure. Trois quarts d'heure. un peu maladroit. L'urne malheureux et pas à portée de chaîne, 100% de bonheur. Ah, bah en fait, non, c'est juste que j'ai rempli le sondage pour eux. Enfin, j'allais pas leur faire perdre du temps. Voilà. C'est gentil. Bah, c'est ça. Moi, c'est toujours à penser aux autres avant moi. T'sais. L'abnégation. Définition, littéralement, dans le dictionnaire, c'est Maxime Robinet. Ouais, il y a une photo de moi. Mm-hmm. À poil. Bizarre. Abnégation. Ok. Dernière fois que j'ai mangé malade, deux jours. Yep. La dernière fois que t'as mangé ? Que j'en ai mangé. Ah d'accord. T'as mangé non, non, la dernière fois que j'ai. Non, non, il a littéralement. Sakura Florent, t'as juste dit dernière fois que j'ai mangé, malade deux jours. Et du coup, tu manges plus. T'as ouais, mangé malade pendant deux jours ? Ça fait au moins la dernière deux fois jours qu'elle a mangé, du coup. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que t'as mangé ? Apparemment un russe, du coup. Paul ? Oui, c'est vrai, une version à la rue. Qu'est-ce que c'est ? Sakura Flora, ça va ? Je crois que t'es encore malade. Je crois que le chat se fait parler d'IA. C'était il y a deux jours ou moins qui t'a mangé ? Enfin, dans le chat, prouvez que vous n'êtes pas des IA. Ce bien. C'est malin, ça. Bah, ça marche. Et ceux qui du sont coup, déjà seuls, pourquoi vous n'êtes pas des IA ? Faites des beats, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et que ça qui permet de. Et allez donner sur le Tipeee parce que franchement, la saison Backroom, elle est. J'ai un peu tout bouffé cette semaine et très très bien. En vrai, franchement, j'avais un peu peur parce qu'il y a. Enfin, je veux pas dire qu'il y a un nouveau joueur qui. Voilà. Ouais, le gars avec sa barbe est un peu gênant. Ouais, mais... mais en dehors de ça. Non, ouais, franchement, c'était vraiment très cool. Que gênant, ça va. J'ai pile joué à. Émilie qui dit bon, j'ai pile joué à. Merci beaucoup, Sylvain. Qui dit j'ai binge-watché la saison Backroom et c'est une tuerie de banger, c'est devenu une de mes nouvelles saisons de préf. D'accord. Bah écoute, moi franchement j'aime vraiment bien. Par contre, vous avez oublié de mettre, mettre un décor en fait dans le. Dans le. Là, on a laissé dans le. Dans là, vous étiez ouais. En fait. Vous avez oublié de mettre un décor, c'est un peu con. Ouais c'est con. Bon, en fait, on est arrivé, on a cassé. On s'est posé et puis on s'est dit. Ouais, mais t'imagines. T'imagines en vrai, on reste juste comme ça. Est-ce que les gens verront ? On met Chabrette au fond. Et ouais, voilà. Foutez des. Je suis sûr que vous l'avez juste tué. Le coup des néons, c'était trop drôle. Et c'était genre, allez chercher tous les néons qui sont pétés partout et mettez-les tous. Et ça fait trop genre, ils sont tous en vue. Alors, tu les vois 100% des trucs, tu les vois, mais c'était vraiment très drôle. Je ne suis pas une IA, je disais juste que la dernière fois que j'ai mangé au McDo, j'étais malade, mais mon message s'est écrit que à moitié. Comme le ferait celui d'une IA. Exactement. Tu le corriges comme le ferait exactement une IA. Et les IA mettent toujours deux emotes dans un message. Oui. Ça, tu commences ton message en tant que... en tant que modèle de langage. Merde, je ne suis pas une IA. Merde. Backroom excellente saison et le meilleur joueur, c'est celui en tenue jaune. C'est vrai. N'empêche, vous auriez pu tourner la saison Backroom dans le décor de Caméra Café. Mais oui, c'est le tweet de Gabichou. Ça m'a vraiment fait. C'est le premier truc que j'ai vu en vrai, je crois. Et ça m'a vraiment fait rire. Mais surtout que sur l'instant, j'ai fait mes caméras. Mais qu'est-ce que c'est ? Et là, c'est vraiment. Mais imagine, tu tombes dans les backrooms et c'est que le décor de Caméra Café en boucle. C'est encore pire en fait. Putain, c'est. Oh, t'as toujours peur de tomber sur. Sur les acteurs. Bruno Solo. Mais qui répète tout le temps les mêmes blagues. Ouais. Bah oui.
Oui, caméra et café. Ouais. Oui, bah c'est, oui, c'est, oui, c'est oui. Attends, alors, j'ai un, peut-être un faux souvenir, mais c'était pas turbo-homophobe ? Ouais, j'ai à peine regardé. Entre autres. J'ai envie de dire, mais suivant que c'est un vieux truc, bon, il y a rien. Ouais, j'ai à peine dans regardé, mais ça m'étonnerait pas. Quoi. Dans mon souvenir, ça l'était. C'est, je mais pense genre... que c'est très parcimonieux de penser que ça l'est. Entre autres. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc, ça va, non ? Yvan Le Bolos, allez, c'est parti, masterclass. Vous pouvez voter, bien sûr, pour les joueurs qui ne participent plus au live. Moi, je vote pour Stuart, mais uniquement à Stuart cause de sa non-barbe. C'est vrai, non, c'est vrai, les gens, vous êtes choqués ou pas ? Moi, je suis choc bas. Moi, je suis choc bas. Moi, je suis choc bas. Max sans moustache. Très bien, En vrai, pourquoi Sirfin, t'aurais pu juste garder la moustache ou. Ouais, ouais, non, une petite moustache au milieu. Ça m'amusait. Moi, ça m'a choc bas. Je vous le dis direct. Je suis arrivé, j'ai fait non, mais c'est quoi cette merde ? On se fout de ma gueule, on se fout de ma gueule. Où est-ce que c'est ? C'est que j'ai un peu teasé ma copine aussi avec ça. Putain. Choc-bas. Mais en vrai, franchement, c'est vraiment choc-bas. Je me souviens juste que c'était pas spécialement drôle. Oui. Très misogyne. Alors, Hot Squidam, oui. Alors, ça allait être fait. Blague, parce que je pense que tout est très misogyne. À l'époque, enfin, un gars et une fille, vous avez déjà revu ? Un gars et une fille, ça fait mal. Hein. J'allais dire que Sirfin sans barbe, c'est Sirf. Ouais. Bah alors, du coup, est-ce que c'est mieux que, est-ce que c'est mieux que Kaamelott ait remplacé Caméra Café ? Je cherche la merde. Je t'avoue que. En vrai, Kaamelott, c'est carrément. Je pense mieux que Kaamelott, oui, c'était pas. Moi, ce que j'ai vu la saison 1, c'était nul, oui. Mais c'était pas problématique. Oui, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'aime pas. Voilà. Là, mais... vous, j'aime bien, j'avoue. Voilà. Vous, avez... hey, vous avez totalement le droit de bien aimer, j'ai aucun problème. Être juste ça. Banni, c'est. C'est ça. Il y a juste des caméras qui vont s'éteindre étrangement. Vous avez le droit d'être de mauvaises personnes. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu ne m'apprends rien. En vrai. Vous préféreriez avoir une barbe, une moustache, si vous pouviez avoir ce que vous voulez. Genre, la barbe parfaite, la moustache parfaite, machin. Mmh. Moi, je pense que ça serait quand même barbe. Moi, j'aime bien la barbe. Ouais. Il paraît. La moustache, la moustache, je sais pas. Hein. Ah, mais genre juste moustache, pas, du coup pas de barbe, que la moustache, quoi. Mais parfaite. Mais parfaite. Barbe, je dirais. Enfin, parfaite comme tu la souhaites. T'as tellement de moustaches différentes. Enfin, en tout cas, sur moi, juste la barbe et pas de moustache, c'est pas ouf. Ah non, mais c'est qu'on soit bien d'accord. Quand je dis barbe, c'est avec la moustache. Ah, avec la moustache, oui, bah d'accord, ok. Ah non, sinon, ça serait que moustache. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien essayer de faire, mais que. Enfin, je sais que physiologiquement, c'est impossible, c'est les moustaches en mode brosse. La grosse moustache brosse. Je crois que alors, si je dis pas de la merde, c'est aussi une manière de la brosser et de l'entretenir. C'est possible. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que là, elle est assez longue. Que tu prennes des douches, en fait. Ah merde, c'est ça le seul. Fameuse douche à moustache. Tu prévois voir tout Kaamelott ou jouer. Tu préfères voir tout Kaamelott ou jouer une troisième fois Call of Cthulhu? Bah, jouer une troisième fois avec tout, c'est beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Que voir tout Kaamelott, hein, les gens. Et j'ai déjà essayé, hein. Mais vraiment, et ça ne m'a pas fait rire une seule fois. J'étais avec ma copine, et on était vraiment en vacances et tout. Tout était fait pour que ça nous plaise, hein. Les vacances Kaamelott. C'était vraiment pas bien, hein. J'ai arrêté. Voilà. J'ai une mauvaise personne, mais on a l'habitude. Universellement parfaite, genre peu importe où tu vas dans l'univers, du waouh, quelle moustache. Bah, en vrai, franchement, Henri Cavill, sa moustache. Elle était parfaite. Ouais. Tellement parfaite qu'ils n'ont pas réussi vraiment à la supprimer dans Batman v Superman. Dans Justice League, je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais c'était un très bon film. C'était le meilleur film de son année. Allez, du coup, on va se mettre au jeu. Ça remonte au début des années 2000 aussi, là où les vannes homophobes étaient plus normalisées. En vrai, ouais, à l'époque, il y avait quand même. Enfin, il y avait pas d'endroit où tu pouvais pas avoir de blagues homophobes, racistes et sexistes. C'était la base. Même dans les trucs pour enfants, t'en avais plein. Hein. Alors que maintenant, on peut plus rien dire. C'est vrai. C'est une honte, franchement. Où sont nos blagues honteuses et ridicules? Rendez-nous notre liberté, quoi. Ouais, rendez-nous Picard. Rendez-nous tout ça, quoi. Ah ouais, hein. Tellement drôle. Alors, il y a un gay des fois. En vieille série, j'avais sur Xena et Guerrière. Xena et Guerrière, je pense que pareil, hein, je pense que c'était pas foufou
tout le temps. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé. Mais bon, jeune pour vos copes, pour ces conneries. Quelques épisodes. Putain, c'est vrai, vous avez quel âge déjà? Ah, mais tu vas me poser la question à chaque fois qu'on se parle. Ah, mais fait. Si, 20... Attends. 27. Bien joué. Gekmu, 26. Non. 27? Ouais. Ok. Pendant encore et deux mois. Et Sirfin, toi, t'es plus vieux. Ouais. T'as presque mon âge. J'ai un an de moins. Carrément, ouais, c'est il ça. A 34 ans. Ok, non, il a 33 du coup. Ah non, t'as pas eu 34 début d'année. 34. Ouais. On a le même âge. Et là, oui, pour quelques mois encore, ouais, on a le même âge. Bah, incroyable, hein. Non, mais de toute façon, les gens qui sont nés entre le 7 et le 10 mai, c'est les mêmes. Oui, non, la fin de Base Camelot, c'est la. Enfin, bref. Ah non, la fin de Base Camelot, ça par contre, bref. Je veux bien que vous aimiez Camelot, mais si vous faites partie de ces gens qui font toutes les rêves sans arrêt, ouais, ça c'est... me donne envie de crever. Une fois, j'étais à un événement rôliste et. Oh non. Et du coup, j'ai fait partie. Enfin, j'ai fait une partie de jeu de rôle et on était trois joueurs. Et il y a un des joueurs, à chaque fois que quelqu'un disait « Ouais, c'est pas faux », il disait « Bah, qu'est-ce que tu comprends pas ?» Oh putain. Meurs. Et je précise, je ne connaissais pas cette rêve. Quand j'avais 11-12 ans, quoi, max. Après, je passais à autre chose, quoi. Ça s'appelait les joutes. Ça s'appelait les joutes du téméraire. Et en fait, c'était un mec qui... Le non, c'était pas les joutes du téméraire. C'était pas les joutes du téméraire. Mais non, c'était un cauchemar. C'était avec ta Switch que je jouais ? Je crois que c'était avec ta Switch. T'as une Switch, Gabichou ? Alors, j'en ai une, mais à l'époque, j'en avais pas. D'accord. J'ai acheté ma première Switch avec mon premier salaire de Webedia. Ouf. Et elle est toujours là maintenant. Une relique du passé. Je peux sortir mon mug Webedia Gaming si vous voulez. J'étais censé le prendre pour la soirée libre. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Je précise que c'était pas au jeu du téméraire en vrai, c'était en Bretagne, l'événement. J'ai dit jeu du téméraire juste pour troller Gabichou. Oui, bah oui, comme d'hab quoi. On sent le bienvenu ici toujours. Vous vous rappelez ce mec qui a vu 236 fois le film Camelot au cinéma? Ouais, et c'était à Reims en plus. Ah, il est rincé le gars. Ce sac à merde, il était à Reims. Il s'appelait Max. Il a détesté les 236 fois. Je ne comprends rien à votre histoire de con. Je l'ai vu 236 fois, je comprends toujours pas. Du coup, j'y retourne pour essayer. Bah ouais, je comprends encore moins. J'ai l'impression de comprendre de moins en moins. voilà quoi. J'ai beau être très très fan de la série et connaître toutes les répliques, tu sors pas ça toutes les deux ans. C'est horrible. Mais surtout, je pense que c'est pareil pour Star Wars, pour tout. Des gens qui sortent des répliques de Kaamelott tout le temps, ils sortent toujours les mêmes surtout. Oui, c'est les quatre mêmes. C'est vraiment pas les trucs les plus marrants. Et c'est pas les plus drôles en plus. Ouais. Donc vraiment, il y a aucun intérêt. Il y a des trucs qui sont vachement plus rigolos quand même. Ouais, mais ça sort pas. Alors, ouais. Je pense que les trucs les plus drôles, c'est les trucs qui sont filés et un peu plus fins, je suppose. Donc c'est pas juste une rêve, tu vois. Ouais, alors filé sur un épisode de 4 minutes. Cette histoire que. De j'avais pas la ref de Kaamelott, ça a la même énergie que quand j'ai encore tiré en mode coucou sans que tu comprends. T'as ça, pour ceux qui ont pas la ref, un jour, j'étais à une convention avec Eric et il y a une dame qui arrive, toute petite et tout, elle se met vraiment comme ça sur la table, elle a un petit sac à dos et elle fait bonjour, qu'est-ce que vous faites, etc. Du coup, c'était bizarre parce que la convention avait pas encore commencé. Du coup, on discute un peu, moi je réponds et tout. Et je vois qu'Eric est un peu. Il fait attention à ce qu'il dit. Alors que moi, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Hein. Et je fais, mais vous êtes fan ou je sais pas quoi. Elle fait, ben non. Et je fais, ah bon. Enfin, tu sais, elle me dit ça comme si c'était évident, tu sais, je sais pas qui c'est, madame. Et elle fait, ben non. Ah, tu me connais pas, mais si, tu me connais. Un truc comme ça. Et je fais en mode, bah en fait, je pense que pas du tout, tu vois, je t'ai jamais vu, madame. Et elle commence, et elle fait, attends. Comment que les caméras. Et je suis en mode. Ça va? Au secours, qu'est-ce qui se passe? Et ben genre, ça ne me donne pas plus d'indices, madame. Elle te disait qu'elle s'appelait Kamehameha, mais que t'as rappelé Kotoria en fait. Nuage magique. Non, je suis en mode, what the fuck, madame. Et je suis en mode, putain, il y a un bus qui est passé, il y a quelqu'un qui s'est échappé, je sais pas du tout. J'étais en mode, what the fuck. Non, c'était Brigitte Lecordier, effectivement. Mais voilà, je sais pas, je suis pas si fan de Dragon Ball. Enfin, déjà, j'ai jamais regardé vraiment Dragon Ball, donc bon. Merci à Pelux. J'aime bien Dragon Ball en manga, mais une fois que ça commence à arriver à Z. En fait, tu sens que c'est plus du tout la même ambiance, il y a plus le côté humour. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Il devient quoi d'ailleurs? Maxime, pas comment. Le pire, c'est quand tu vas dans des conventions de fans de... Des conventions de fans de... Ça me saoule votre idée. Attends, quoi, il y a des conventions de fans de Kaamelott? Et que tu sors des refs à la patate sèche.
à Artiganac, Zorzelberg, personne ne comprend. Alors que franchement, c'est évident quand même. C'est évident. Artemis est en mode, ça n'existe pas. Comment... regardez pas Super, mais j'aime pas trop les animés de... adaptés de manga, généralement. Généralement, parce que Pluto était très très bien. Mmh. Ah, mais moi je peux recommander 15 milliards de trucs qui sont bien parce que je me tape beaucoup de trucs qui sont mauvais aussi. Mais Du coup, j'arrive à trouver. Maintenant, j'arrive à trouver les bonnes pépites. Bah, en vrai, je pense que c'est nécessaire. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on fait le tri, malheureusement. Mais il y a beaucoup de. Ouais, malheureusement, waouh, c'est beaucoup de bonne merde. Hein. Ouais, vraiment... bah, il y a un peu une métrique pour sentir. Ouais, bah oui, maintenant, maintenant je l'ai. L'Octopus, il préfère soda. Oh, la BD avec le tueur. Ça date, ça. C'est pas mal en vrai. À l'époque, je lisais ça en empruntant des BD, mais du coup, en fait, j'avais jamais l'histoire à fond. C'était genre, c'était pareil, pas les mêmes. C'est exactement ça. Et du coup, je comprenais rien. Moi non plus, mais j'étais en mode, waouh, ça tue, ouais, c'est ça. Traître. C'est un truc de balade. Bon courage, Emily. Mais le festival. Ouais, bon courage. Content de t'avoir connu. Ah putain, ça va être dur, Emily. Non, avec Kev Adams. Oh non! Ah, il y a une série qui s'appelle Soda avec Kev. Oui, je vois ce que c'est, ça n'a rien à voir. C'est de la merde. Ah, oui. Bah, du coup, non, désolé. Désolé, la série avec Adam. L'avantage avec Kev Adam, c'est qu'il n'essaierait pas de vendre des NFT à des gens qui connaissent rien, par exemple. Ouais. Jamais. Et puis, il n'est pas. Ouais, il n'est pas si problématique. Non, il n'y a aucun souci. Je veux dire, avec toutes les communautés, ça se passe bien, on le sait. Tout le monde l'adore. Ah bah moi le premier. Mmh. Moi le premier. C'est ton grand ami. Oui. L'event est très cool. Je vais voir Percival en concert, donc je suis joie. Oh. Cool. J'essaie de trouver une référence à Kaamelott. T'as dit c'est pas faux et puis. Ouais. C'est pas faux. Hier. le gras c'est la vie. Allez. Ouais. J'essaie d'en trouver une autre. On est en train de perdre. J'en ai pas d'autres. Ouais. Qu'on l'a perdu celui-là. Hein. J'ai déjà dit cuir. Ah putain, je sais pas comment on le dit. Je rappelle à tous les gens qui sont ici présents dans le chat, parce que bon, les trois joueurs, je pense qu'ils savent, qu'il y a l'offre du mois sur Tipeee et que vous pouvez en profiter et que là, on est assez proche, peut-être tout proche, d'avoir le dernier palier débloqué. Donc vous avez des actuels plays d'Etat Green exclusifs. Vous avez déjà permis le fait qu'on tourne Delta Green aux USA. On en parlait cet après-midi avec Mascox. Donc, plein de belles choses. Et c'est jusqu'au 31 mars. Après, ça sera trop tard. Et vous n'aurez pas accès aux actuels plays Delta Green exclusifs. Donc, je précise que les actuels plays dont je parle ne sont pas ceux tournés aux USA. Je précise que c'est deux choses différentes parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Ce n'est pas pareil. Ouais, typé, sinon je vais devoir jeter les lights que j'ai achetés. Genre, s'il n'y a pas la troisième, Gekmo, t'es pas dedans, en fait. Non, et s'il y a les trois actuelles plates débloquées, c'est possible que le troisième soit un truc un peu plus long, genre une mini-campagne, un truc comme ça. Non. Bien. Voilà. J'ai typé pour Binge Prague. Très bonne idée, Lord Pancake, ça m'a. Tu pourras binger Backroom aussi. Bénef, du coup. On est d'accord que Sombre Machination en Amérique, c'est comme Les Visiteurs, juste un remake de la saison 1. Tout à fait. Putain, ça me saoule ce que tu dis. Je crois que je l'ai vu en plus. Je crois que je l'ai vu. Ouais. Triste. Triste affaire. Attends, j'ai pas vu. Chier. C'était une question. Soda, parce qu'à l'envers, ça fait ado. Ok. Ouais, c'est la fameuse série Kev Adams. Ouais. D'accord, ok, là, j'aurais pas deviné. Ah, c'est pour ça, ouais. Bah, ok. Ouais. Non, mais ouais, j'étais même pas au courant que ça existait. Ok. Je savais pas. Les Visiteurs en Amérique, banger, tout simplement. C'est le meilleur film que j'ai vu. Globalement. Ouais, mais il y a Dune 2. Il y a Dune. Les Visiteurs aux Amériques. Je pense que c'est vraiment mon truc préféré, quoi. Les Visiteurs, il y a Jacques Couille, mais il est américain ou un truc. Je sais même pas du tout de quoi ça parle. Ouais. Je m'en rappelle plus. C'est vraiment ces films que t'as vus et que t'as... C'est comme Ma femme s'appelle Maurice, que j'ai vu. Je le sais. Maintenant, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je l'ai vu. Sachez-le.
Je veux trop le voir en globiciné. Beware la mouche, ça je me rappelle. C'est le seul truc que je me rappelle, vous voyez. C'est vrai que Chevalier d'Espadès, vous avez... ça n'a rien à voir, mais... Vous avez, quand vous étiez petit, vous savez, il y a des trucs auxquels tu avais l'impression que tu allais être plus confronté que ça dans ta vie. Genre les sables mouvants, les tornades. Je sais pas si vous avez eu ça, ce côté. Genre, moi, quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'au moins une fois dans ma vie, je serais face à une tornade ou des sables mouvants. Mmh. Alors que pas du tout. Bah, c'était un peu pareil pour Chevalier d'Espadès. J'avais un peu l'impression que c'était genre un truc qui existait. Alors qu'en fait, en dehors de Rire et Chanson, ça n'existe pas vraiment. Chevalier d'Espadès. Bah, si, les pubs, je sais Coffee plus quelle marque. Ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, mais c'est tout, quoi. Ouais. Ça n'existe pas vraiment, Chevalier d'Espadès. Donc voilà, ça m'a rassuré. Les visiteurs, de toute façon, c'est une vraie référence pour la baisse du temps, non ? Le Moyen-Âge, mais c'est tout ça. La baisse du temps. L'abysse. La baisse du temps. Vous voyez, ça s'appelle la baisse du temps. Si, j'en croise un régulièrement à Toulouse. Ils existent, mais. Je perds pas espoir, t'es encore jeune. C'est vrai qu'il est mort. Guébichou, pendant qu'on discutait. Bah ouais, mais bon, tu sais, en même temps... Y'a même plus besoin de le virer. Mais pas tant que ça, quoi. T'avais peur d'être confronté à Chevalier d'Espadès. Non, mais il y a un côté, leur spectacle et tout, c'est un truc qui existait, tu vois. Qui était plus préhensible. Salut, Dame Falcio. Attends, Lucky Luke, tu le croises régulièrement. Lequel ? Le sympa ? Ou Chevalier. Je sais pas du tout. Je crois qu'il y en a un des deux qui est plus qui est droite, extrême droite, et qui l'a clairement affiché et pas l'autre. Oh. Mais ça veut pas dire que l'autre ne l'est pas. Hein. Mais, oui, c'est ouais. Ça. Peut-être que l'autre, il est pire. Chevalier d'Espèce, c'est pas des vieux racistes. Si, je crois que c'est. Il y en a un qui a une voix rigolote. C'est vrai qu'il y a ce gimmick-là plus chez eux. Il y en a un c'est qui le seul truc que je retiens. Hein. En fait, il y en a un qui est rigolo et l'autre, non. Et c'est ça qui fait que ça tient. Une sorte de... Il y en a un qui est le... le garde-fou de l'autre, quoi. je sais pas, je connais pas leur nom. Attends, je regarde lequel, ça. La baisse du flan, le remake sorti fort de La Bise du Temps. Attends, la baisse du flan, ça sonne vraiment bien. Pour Dame Falcio, écran noir, peut-être change de navigateur. C'est Gabichou, l'écran noir. Et après, il faut pas zoomer sur l'écran. Une fois, j'ai entendu l'espèce parler normalement, ça m'a déçu. Bah oui, c'est un personnage. Vous parlez des Chevaliers du Fiel ? Non, ça, c'est autre chose. Il y a quoi comme comique français ? Alors déjà, on dit pas comique, on dit comédien. Non, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a un terme consacré. Le... Humoriste français. D'ailleurs, on dit humoriste en fait. Humoriste, je viens de le dire naturellement. Ouais. C'est humoriste qu'on dit. Je l'ai dit naturellement sans m'en rendre compte, c'est trop bien. Non, humoriste, je dirais. Qui est de gauche. Ben, y en a pas mal, je pense. Après, c'est vrai que je regarde plus ce genre de contenu du tout. Geekmo. Pourquoi ? Parce que je suis rigolo, moi. Bah. Geekmo, c'est notre humoriste, mais c'est plus de l'humour de situation. C'est un peu, voilà. Un peu malgré lui aussi. Ouais, il y a le côté un peu. Il glisse sur un truc, il se casse une jambe. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Deux questions, s'il vous plaît. Alors, Milous, la question, je t'y réponds, mais c'est la même chose à chaque fois. Quelle heure commence le JDR ? À 22h. 2. Le JDR sera-t-il disponible en replay ? Oui, d'abord sur le Tipeee et une semaine ou deux après sur YouTube. Voilà. Le sketch des rimes est énorme. C'est vrai que le sketch des rimes de Geekmo est énorme. c'était mon préf. Et surtout, très bien écrit. C'est bon, je suis là. Ah, t'es là en double. Là en double. Attends, t'es là. Ah oui, il faut que je te remette. Hop. Ah mais le nom il s'est barré. Oh, on l'entend en double. Alors, oui. Tchouk, ah voilà. Bon. Vous l'entendez en double ? Ouais mais en fait c'est parce qu'il y a le son de vidéo. Ah bah c'est bizarre non ? Il doit arriver mute mais bon c'est pas grave. Ouais, t'as tourné ta cam du coup. Quel enfer. J'arrive, j'ai quelques petits soucis. Ah non mais c'est Chevalier du Fiel à Toulouse, j'ai tout chié, my bad. Ouais. Donc tu vois ils existent pas pour l'instant.
ça fait longtemps que je suis pas venu sur ton Twitch, j'avais oublié l'organisation. Pas de soucis, Milous. En attendant, si tu ne veux pas regarder le live de ce soir parce que tu trouves qu'on démarre trop tard, par exemple, je rappelle que tu peux regarder Sombre Machination, ou les Rediffs, ou les Mémoires du Mythe, ou voilà. Oh, les gens, ça me saoule. J'ai eu la news cette semaine que je pourrais enfin vous annoncer, enfin, je serais pas le seul, mais vous annoncer la grande nouvelle que je dois vous annoncer depuis le début de l'année. Et du coup, je pourrais vous le faire en avril. Et je précise qu'à la base, on s'est dit, hey, on peut faire ça dès le 1er avril. Et après, on s'est vite rendu compte qu'on peut pas le faire le 1er avril. Une très mauvaise idée de le faire le 1er avril. Donc, ça sera le 2 avril. Non, mais c'est vachement cool, en tout cas, d'enfin annoncer que Nekou est viré. Non, alors justement, on a décidé de changer. En fait, on s'est dit qui a fait le plus de bêtises. Bah, en vrai, Nekou a fait aussi beaucoup de bêtises. Laquelle? Ah, ça, qu'elle a cramé la fermeture éclair. Ouais, mais après, elle fait aussi beaucoup de bêtises sur le live de Zou. Donc, ça, j'en sais. Leave Momo alone. La vraie grosse annonce du 1er avril. Non, le 1er avril, par contre, vous aurez une vidéo. Bien sûr. Comme tous les ans. Je pense que Gabichou, il nous fait la tête. Hein. Je pense qu'il fait vraiment la gueule et il veut pas nous dire qu'il fait la gueule, Gabichou. Mais je fais la gueule. C'est pas moi, c'est le sel de Zou, le problème. Ça arrive. Ouais, mais Nekour, je suis sûr, elle fait de meilleurs rimes. Oui, mais je pense que c'est facile de dire ça. Tout le monde fait des meilleurs rimes. Il aurait pu en faire une, là, mais il l'a pas. Ah oui, Maxime, t'as vu le City Builder chez Cthulhu? Ah, c'est le truc Tribe, je sais pas quoi, là. C'est de ça dont tu parles? Tribe of in the Dark, je sais plus quoi. Et j'ai vu et j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est cool pour ceux qui aiment City Builder. Worshippers of Cthulhu. Alors non, c'est pas ça. Je connais pas du tout. Je regarde. Ouais, ça devrait être mieux. Oui, non, du coup, j'ai juste téléchargé l'application à la place de passer par le web parce que ça faisait ramer la caméra à fond pour aucune raison. D'accord. Et ça faisait chauffer la caméra, surtout. Un truc de malade. Donc, je viens de voir Worshippers of Cthulhu. Vu le développeur, bof. Bof. C'est genre, ils ont rien fait. Les trucs qu'ils ont fait n'ont pas l'air foufou. Et on dirait de l'IA art. Il y a des gros guillemets à art. Oui, bien sûr. On soit bien d'accord. Donc, bof. Peut-être que je pas à confirmer, c'est un petit, hein, donc je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est King City 2 ou un Call of Cthulhu. King City 2 ou un Call of Cthulhu 2. Bah, sachant qu'il y a Thinking City 2 qui arrive très bientôt. Ah merde. Ça va être une blague. Bah ouais, mais non. Il a été annoncé littéralement il y a 2 semaines. Ah. En vrai, je suis quand même vachement déçu de Alone in the Dark parce que j'aurais espéré qu'il soit soit bien, soit suffisamment nanar pour que ce soit un bon c'était truc. C'était vraiment à... pas. Mais j'ai vu plein de bonnes reviews dessus, surtout que je comprends pas. Mais moi aussi, mais on y a joué et c'était dur. C'était horrible. Juste dur. Il n'y a pas d'intro, ça commence et c'est que des dialogues insipides sur des dialogues insipides et d'un coup, t'as un vieux monstre, tu tires dessus, il est mort et après il t'en balance plein. Et c'est juste. Bah yes, c'est naze. Puis t'as l'impression qu'il te jette dans l'action. Bah, comme ouais, tu disais, c'est très bizarre. L'aspect on dirait démo, qu'il manque une... c'est trop ouais, bizarre. Il y a un côté vraiment, t'es dans une démo. Ouais. C'était très très chaud. Aïe. Demain, d'ailleurs, on se fait Dragon's Dogma 2. Du coup, avec le personnage qui s'appelle Test. Exactement. Non, ouais, je suis... Ah putain, ça m'a... Ça, c'est vraiment une honte. Par je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils avaient un niveau de microtransaction, etc. C'est honteux. Bah, ils ont fait une chier de microtransaction abusée. Mais en plus de ça... si vous lancez une partie, vous pouvez pas redémarrer une nouvelle partie. Vous êtes obligé d'avoir une partie. Et il paraît qu'il y a des gens qui se sont fait même soft ban pendant 24 heures parce que c'est considéré comme de la triche d'en lancer une partie. C'est un RPG en plus. C'est mais ça solo. Un début d'un RPG, c'est de pouvoir justement faire plusieurs trucs avec plusieurs parties. Bah c'est débile. Trop bizarre. Ouais. Et donc voilà. Alors, la Simioxine, la campagne de Carnby et la campagne de
Emily, si je dis pas de la merde. C'est la même, hein. C'est juste les dialogues qui changent. Mais globalement, c'est le même jeu. Donc, bof, quoi. Vu comme il n'y a que 10 vocations, je sens les DLC 10 euros pour une nouvelle vocation. Ça, je sais pas. Mais, et le fast travel, oui, le fait qu'il y ait dev, le réel du jeu qui fait oui, on n'a pas de fast travel parce qu'on a décidé dans le monde intéressant et que ça soit intéressant de se déplacer, machin. Oui, oui, fast travel à 3 balles. Hein. Ah, par contre, je vais répondre à un truc dans le chat, Doc Hefner. Je vais faire mon vénère là. Vu que je bosse dans le marketing jeu vidéo, c'est pas le marketing qui s'occupe du truc, c'est le commerce. Oui. Et ces gens sont très différents. Ces gens sont différents. Il y en a qui sont là pour créer une communauté et l'autre pour la. Oui, ça fait pour la saigner. En fait. Pour la saigner. Ça pour la saigner. Non, et pour être honnête, oui, enfin, même ça, très souvent dans le côté marketing, on va voir des choses, des décisions qui sont prises par tout ce qui va être commerce, et à chaque fois on s'arrache les cheveux parce qu'on sait très bien qu'on va s'en prendre plein la gueule, quoi. Et quand c'est pas ça, c'est qu'on se dit, mais on parlait de Dragon's en fait, Dogma mal foutu 2. T'as des offres qui ont des noms différents sur des consoles différentes, qui sont pas claires, etc. Et eux, c'est pas leur problème, donc ils se permettent de faire un peu tout n'importe quoi. De quel jeu on parlait de Dragon's Dogma 2, 3, 3 je crois. Mais bon, là, je parlais du général dans le jeu vidéo, c'est le plus souvent que ça, comme ça que ça fonctionne. Probablement avec des différences, surtout quand on va dans l'indé, etc., sans publisher, là, je pense qu'il n'y a pas tout ça, forcément. Ouais. C'est pas les pôles marketing que les stratégies au commerce, mais tu crois vraiment qu'ils nous écoutent? Oui, je pense qu'effectivement, c'est comme ça que ça devrait marcher, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, ça ne marche pas comme ça. Hein. Moi, d'expérience, à chaque fois, c'était le commerce qui y arrivait avec quelque chose, et puis le plus souvent, c'était trop tard pour donner un feedback qui puisse faire quoi que ce soit. Donc ouais. Tu te démerdes avec et puis tu croises les doigts pour que voilà tu te fasses pas trop chier dessus quoi. En gros. Est-ce que vous voulez aller aux toilettes? Oui. Oui. Vas-y. Pour moi. Allez pisser. C'est gentil. Vous merci. Avez le droit. Vous avez le droit. Merci Maxime. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes 30 pour pisser pile. Après là vous serez puni. C'est large. C'est large. Bon en vrai je vais essayer d'en profiter aussi. Ils vont tous pisser, je vous le dis, c'est des pisseurs. Pendant ce temps-là, je vais vous dire le scénario, les gens. Le scénario, c'est qu'il y a Cthulhu. En gros, c'est une ville qui s'appelle Blackwaters. Et il y a un détective qui doit y aller. Il a vu un tableau, il y a une peintre qui a disparu. Et donc, du coup, ils vont enquêter dans la ville. Et ils entendent régulièrement... en arrière-plan, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà. Le tableau était comment? Le tableau était vraisemblablement maudit. J'ai pas disparu, je suis là. Mais si, t'as disparu, Nescourtes. Je comprends pas. Je dois pas être du bon cas socio-professionnel. C'est possible. Maxime, tu devrais faire comme les AAA et mettre les pauses pipi en DLC à 5 balles. C'est une bonne idée. Mais ils ont déjà payé tous 5 balles au début de live. Vous n'avez pas remarqué? Ils ont tous gifté un sub ou subé. Ce qui fait que... Voilà. Moi, je m'y retrouve financièrement. C'est comme ça. Hein. Tous les joueurs et joueuses de JDR sont littéralement ponctionnés le plus possible. C'est comme ça que ça marche, en fait. Sinon, moi, après, je ne m'y retrouve pas, en fait. Donc, voilà, je suis en train de préparer la bande sonore du live, hein, je précise. En vrai, je suis content. Ce soir, on fait un scénario que je voulais faire depuis un petit moment. Et j'y pense jamais, en fait. Et vous savez quoi, le pire? C'est que je l'avais en VF. Et j'avais complètement oublié où je l'avais rangé. Et en fait, je l'avais littéralement. En fait, il était offert avec l'écran de jeu et je l'avais mis dans les écrans de jeu. Je sais pas pourquoi. Trop con. Mais du coup, depuis, j'ai pu le récupérer. You don't understand. Attends, mais Gabriel, il a changé de ouf, non? Gabichou, ça va? Il est bizarre. Gabichou, il a complètement changé, quoi. Ouais, bah il est mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça lui va bien le côté poilu, là. Ouais. 70 balles pour 70, c'est vrai. 70 balles pour participer au live, 5 euros la pause pipi, 30 balles pour que ton personnage gagne le JDR. C'est ça.
Enfin, ça, c'est le prix d'il y a 5 ans. Maintenant, tu rajoutes un zéro. C'est... Voilà, on a dû augmenter. Mais c'est pour ça qu'on recherche de plus en plus de joueurs. voilà. Attends, ah Nécourt ? Nécourt, oh, qu'est-ce que tu fous là, Nécourt ? Attends, mais je comprends pas. Attends. Mais... Gekmou ? Mais Gekmou, il est... il va se faire crever un œil en live. C'est clair. En vrai, ça va, il avait l'air heureux. Ok, bah le mien, je lui ai donné à bouffer, du coup, il est indisponible. T'as voilà. Littéralement les deux pires types de chats, quoi. C'est beaucoup il s'est passé quelque chose quand j'étais pas non. Non. Non, pas toi, Gekmou. Gabichou, t'as littéralement le chat roux et un putain mais le de roux, le pire, c'est que le roux, depuis que la petite siamoise est arrivée, il fait quasi. Enfin, il fait bien moins de conneries, il est tout discret. Ah oui, parce que le siamois est pire. Ah oui, ah oui. J'en ai un. En vrai, je dis ça, mais j'en ai une qui est multicolore. Et elle fait plein de conneries aussi. Hein, donc, voilà. Mais bon, la légende du chat roux, je pense que c'est pas une légende. Bah, lui, ça va, en vrai. En vrai, ça va. Vous savez que c'est faux, les gens. mais un pouce pipi, c'est un gacha. T'as 50% de chance de l'avoir au bout de 150 invocations. je vais aussi faire pipi pour la peine. Je ne ramènerai pas de chat, moi, par contre. Oh, putain. Oh là là. Mais ça parce que rien, si j'en ramène un, s'il y en a un dans mes pattes, je le ramène. Ah bah moi je les ai ramenés parce qu'ils étaient dans mes pattes et qu'ils me buglaient dessus. Voilà. Moi je courais de partout, elle faisait des allers-retours. Je l'ai chopé sur le passage. A tout de suite, en attendant, Gabichou, Sirfin et Gekmou vont dire le dernier jeu auquel ils jouent. Inscription. Balatro. Inscription, hein, si vous voulez le dire correctement. Cookie Clicker. En ce moment, j'ai Inscription, j'ai quoi d'autre? J'ai Slay the Spire parce que j'aime toujours. Counter-Strike, c'est toujours bien aussi. En vrai, c'est quoi le vrai remake de Resident Evil 4? Je sais même plus ce que c'est le dernier jeu auquel j'ai joué tellement ça fait longtemps. Et de temps en temps, Euro Truck Simulator en regardant un truc à côté. Voilà. De quoi? Euro Truck Simulator? Ouais, 2. Ah putain, incroyable. En regardant un truc à côté, franchement, c'est bien, mais s'il y avait rien à côté, bien. J'y jouerais pas. Ah oui, c'est, rien à côté, oui, bah autant... autant faire autre chose, autant aller dormir. Non, c'est pas chronophage, voyons, arrêtez. Oh là là. C'est aussi Train Sim World 2, là, qui est vachement bien. C'est mon récap Steam de 2023, c'est Dark Souls, train. Ok. Pas mal. De toute façon, les roguelites, c'est pas chronophage. Hein. J'ai pas plus de 600 heures de jeu sur Binding of Isaac. C'est pas vrai. Porte quoi. Oui, on est d'accord. Spire, j'ai 200 heures de jeu, je viens de regarder. Inscription, c'est très très bien. Je m'y suis mis le week-end dernier. Enfin, j'ai commencé le week-end dernier et j'aime beaucoup. Il était temps. Oui, mais figure-toi que j'ai un backlog de jeux de gros bâtards. Et du coup, quand j'en ajoute un en plus, c'est, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie là, c'est de jouer à BG3. Mais j'ai des trucs à terminer avant. J'ai mis ma copine à BG3. Elle ne voulait pas au début, elle se disait que c'est peut-être pas lui plaire, et du coup là elle fait sa deuxième run. Ah oui. J'ai même pas fini ma première. Hein, donc. Oh, il a un chat. Oh bon. Le chat. La boucle est bouclée. Incroyable, adorable. Elle est si grande. Moi aussi j'aime beaucoup le rétro gaming, tout ce qui est Wii, Xbox. Là, tout de suite. Non mais j'y jouais à l'époque, c'est pas du rétro. Enfin, pour moi c'est pas du rétro, pour d'autres gens j'imagine que ça l'est, mais. Ouais, moi c'est du gaming tout court. Oui, bah oui. Oui. Un bon Wii Sport, quoi. Entre potes. Poète. Oui. Trop mignon la pépette. La pépette. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Wow. Pépette, c'est vrai que je. Ah, bah voilà. Hop. Bah, j'y joue depuis tout le monde a montré son chat. Mais il était dans le fond à un moment, ton chat. Attends, mais est-ce qu'on a tous montré notre chat? Moi, oui. Allez. Moi oui. Non. Oui bah moi aussi hein. Tu voulais sur Twitter de temps en temps je monte mes miches aussi. J'adore le rétro gaming me refaire régulièrement Heavy Rain sur PS3. Tain, Heavy Rain. Ah le meilleur jeu hein, David Cage hein, le sang. en plus c'est un bon patron à ce qui paraît. Il y a eu zéro souci dans la Quantic Dream, que dalle. Rien du tout. Bon patron, bon jeu, bon management, franchement, let's go. Ah non mais franchement, ce jeu est incroyable.
Bah écoute, c'est un peu le seul jeu où tu peux appuyer sur un bouton pour gueuler Jason, donc ça, donc c'est le meilleur jeu. C'est un peu incroyable. Il y a un autre jeu où tu peux gueuler, je sais plus c'est quoi, c'est dans The Park où tu peux gueuler. Je me rappelle plus son nom, mais c'est pas Jason. C'est pour parodier ou pas? Non, mais par contre c'est exactement c'est la même mécanique. Ah. Bah écoutez, on va commencer. Ok. Eh oui, c'est le retour avec le Biporn. Oui. On vous l'avait pas dit, c'est ce soir. J'avais une amie qui était non uniquement super fan de Heavy Rain, mot-clé avait. Tu l'as tué. Je pense qu'effectivement, beaucoup de gens aiment bien ce jeu parce qu'ils sont. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas l'expérience d'un jeu vidéo et qu'en fait, ils ont le côté genre putain, mais en fait, c'est trop bien parce que j'ai eu une interaction et machin, ça a évolué et ça donne cette idée-là. C'est un peu comme un film, quoi. Oh, c'est ça, c'est genre, oh putain, comme un film. C'est affreux, quoi. Bah, et puis même, il est le jeu, quand même. Ah, j'ai un pote, pareil, il m'a dit qu'il adorait ce jeu, qu'il l'avait platiné. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a toujours des gens qui pensent que Detroit Become Human est un des meilleurs jeux jamais écrits. Et que ça fait réfléchir. Bon, chacun ses goûts. Réfléchir à l'envers, quoi. Faut savoir, les gros, c'est les méchants. C'est ça. Et c'est ceux qui sont pas beaux, ils sont méchants. C'est vrai que c'est vrai, ça. Putain. Ça me saoule. Bref. La partie commence. Alors j'ai peur, j'esquive. Adieu le chat. J'ai peur, j'esquive. Ok. J'ai pas connu cette époque des Globiburn. Très belle époque. Belle époque. Il y a eu une petite remembrance à un moment. Il y a eu deux époques. J'ai préféré la deuxième époque. C'était moins cringe. C'est vraiment cool. Mesdames et messieurs, nous démarrons. Je précise que le scénario de ce soir est disponible dans ce livre qui est avec l'écran de jeu de l'appel de Cthulhu V7. Je ne sais pas si c'est dispo, mais si jamais, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez l'acheter chez Philibert, notre partenaire de toujours. Nous démarrons donc. Je vais vous faire une présentation individuelle de vos personnages et puis une présentation générale. Bon, je vais commencer par la présentation générale. Attendez, je vais juste vérifier qui vous êtes pour être sûr de ne pas faire une bêtise parce que j'ai eu un doute. Ouais, c'est bien ça. Donc, hop. Félix. Félix, je vais te présenter en tant que brocanteur. Tandis que toi, hop là. Alors attends, Gekmo, je vais te présenter. Bah tu me diras, on va en discuter après. Gekmo, tu t'appelles donc David. Et hop, toi Serfine, tu es donc Stuart. Ouais, Stuart. Très bien. Mais je vais Little. Individuellement. Stuart Little qui reste dans les airs. Non. Félix, ancien criminel, tu as tourné la page après avoir manqué d'être arrêté et emprisonné il y a quelques années. Ton vieux complice, George Cassidy, à présent gardien de phare sur l'île au Fanal, t'a récemment demandé par lettre si le commerce de biens étranges et exotiques t'intéressait toujours. Tu vas donc essayer d'aller à Rockport à côté pour essayer de voir à tout ça. Je précise que t'es globalement plus un personnage. Ouais, non, t'es un petit peu ambivalent, toi. Hein, arme de poing, charme. Trouver objet caché, ça va. T'es plutôt ambivalent. À tout de suite. David Young. Tu es actuellement en mission car tu es un agent du bureau d'investigation, le BOI, l'ancien nom du FBI.
Et en gros, tu es en mission dans le Massachusetts pour prévenir toute activité illégale sur les routes commerciales de la très populaire côte Est. Et tu te rends à Rockport afin que ton confrère, Warren Thomas, qui se fait passer pour un gardien de phare nommé Michael Turner sur l'île du Fanal, te fasse son rapport. Ton identité, ton métier est peut-être quelque chose que tu souhaites cacher. Donc à toi de dire ce que tu veux. Tu peux dire que t'es en vacances, tu peux dire que voilà, c'est tout ce que tu veux. Ouais, par rapport à ça, tu peux mentir. Ouais, j'aime bien l'idée des vacances. Ouais. Genre t'es un commercial en vacances. C'est ça, un commercial en vacances, ça rentre dans le... C'est pas suspect que je me pose des questions sur le commerce. Je précise qu'évidemment, tu as ton arme de service. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Stuart, j'ai écrit Suar. Ah bah super. Stuart, tu es donc un artiste. Après avoir été en vadrouille pendant tes jeunes années, tu as désormais trouvé ta véritable vocation et te rends à Rockport dans le cadre d'un voyage long du littoral oriental en quête d'inspiration pour tes tableaux. J'espère que tu trouveras une bonne inspiration, n'est-ce pas ? On verra, en tout cas, le setup s'y prête. C'est ça. Tu peux remonter un tout petit peu ton micro ou pas ? Il veut remonter en termes de son ? En volume, ouais. Excuse-moi. Touk, là comme ça ? J'ai pas fait de droit, hein, donc je sais pas ce que je raconte. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous êtes donc un commercial en vacances, un artiste et un brocanteur sur un bateau. C'est le début de notre blague et nous verrons où elle nous amène. Nous sommes le 12 avril 1926, presque un an jour pour jour après que Francis Scott Fitzgerald ait publié The Great Gatsby. En pleine prohibition et durant les Roaring Twenties, clairement, les USA connaissent un essor de la mafia et une croissance économique hors norme. Mais nous sommes bien loin de tout ce strass et ce glamour. Nous sommes à quelques miles de la côte de Cap Le Fol, dans le Massachusetts. Sur le SS Comté d'Essex, un bateau de marchandises et de transport, et vous vous dirigez tous les trois, ainsi que d'autres passagers et l'équipage et les marchandises, vers Rockport. Mais il y a de ça environ 15 minutes, à 20h, le phare de l'île au Fanal a cessé de projeter son faisceau. Les eaux traîtresses sont alors devenues un véritable enfer pour le bateau qui s'est échoué sur des rochers. Vous avez été projeté dans tous les sens. Autour de vous, déjà, vous commencez à voir que les gens paniquent. D'un coup, vous voyez un des conteneurs renversé par le choc, tomber, écrasant une femme et son enfant sous vos yeux. Un homme part en hurlant. Et quelques mètres plus tard, il se prend une caisse de transport en pleine tête. Il s'écroule comme un pantin désarticulé. Vous êtes complètement perdu, sonné, l'esprit embrouillé par le choc. Vous avancez vers là où vous pensez être les canaux de sauvetage et vous êtes arrêté par un homme que vous reconnaissez comme étant le capitaine du bateau. Il vous regarde, il a un regard qui vous rassure puisqu'il a l'air, lui, contrairement à tout le monde autour de vous, de ne pas paniquer. Il vous regarde et il fait « Écoutez, ne tentez pas de rejoindre la côte, il y a une tempête qui arrive et elle vous engloutira. Allez sur l'île au Fanal. » Il pointe avec son doigt vers une zone un peu plus sombre sur la mer obscure. Vous apercevez à peine la silhouette du phare et une petite lueur à ses pieds. On va tenter de sauver ce qui est sauvable ici et on pourra peut-être empêcher de tout perdre. On se retrouve là-haut dans une heure ou deux. Allez-y. D'accord. Vous avancez, vous montez à quatre sur ce bateau. Il y a effectivement une femme qui vous accompagne. Vous l'avez vue, elle était avec vous dans le voyage. Vous ne savez pas spécialement qui elle est. Donc, j'estime que vous connaissez tous les prénoms hein, les uns des autres. Donc, David, Félix, Stuart et Abigail. Vous montez donc dans ce petit canot, vous arrangez comme vous pouvez, vous arrivez dans la mer houleuse.
clairement, c'est un petit peu compliqué. C'est pas simple à gérer déjà la mer, sachant qu'une tempête va arriver. Vous dites, si ça continue comme ça, on va juste mourir ici. Vous continuez d'avancer tant bien que mal. Vous prenez vos marques avec les rames. Vous essayez d'orienter un petit peu la barque et vous heurtez un obstacle solide. C'est un morceau de métal tordu logé dans un banc de sable. Vous voyez qu'il y en a d'autres sous la surface. C'est clairement issu d'un navire. Vous le regardez d'un petit peu plus près. Alors attendez, hop, je prends un dice roller. Ouais. Clairement, vous savez deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de naufrage récent dans la presse. En tout cas, vous n'en avez pas entendu parler. C'est quand même quelque chose dont on parle dans la presse, un naufrage de... détruit un bateau comme ça. Mais surtout, vous voyez qu'il y a peu de bernacles et que c'est peu détérioré, donc c'est clairement pas là depuis longtemps. Maintenant, il va falloir manœuvrer la barque pour en sortir. Qui s'y colle ? Moi, je prends directement les rames. D'accord. Donc, tu prends les rames, tu as navigation 21%. Très bien. Vous yes. Mourrez. Immédiatement, il prend les rames d'un air un peu autoritaire, un peu. Hein, et Félix, on va pas se mentir. Il le prend, il met un coup comme ça. Le mouvement qu'il fait embarque le bateau à contre-courant. Une vague retourne le bateau. Vous commencez à tous vous agripper pour ne pas être retourné. Là, immédiatement, ça tape un rocher. Vous entendez un craquement énorme et vous êtes repoussé par une autre vague qui retourne entièrement le bateau. Vous arrivez tous sous l'eau. Vous commencez à devoir nager. Vous êtes d'abord choqué par le froid intense de l'eau. Vous avez un peu de difficulté. Deux secondes. Stuart ? Oui. Alors que tu es sous l'eau et que tu peines à remonter à la surface, tu vois une silhouette sombre sous l'eau, comme un très gros poisson ou peut-être un crocodile, c'est ce que ça te donne comme image. Tu le vois, tu paniques, tu essaies de regarder où est la surface, tu vois la surface grâce au reflet de la lune du ciel et en redescendant, il n'y a plus la silhouette. De toute façon, je vais remonter à la surface pour reprendre mon souffle. Ouais, et puis... Vous continuez de nager tous les quatre. Vous ne pensez pas pouvoir récupérer le bateau. De toute façon, vous ne donnez pas spécialement d'efforts par rapport à cela. Vous nagez jusqu'au rivage. Vous êtes trempé, frigorifié, épuisé par l'effort de nager dans une mer un petit peu... Et encore, ce n'est pas la tempête, hein, mais qui commence déjà à monter. Vous reprenez un petit peu vos esprits. Vous êtes arrivé sur cette petite île, l'île du Fanal. Enfin, l'île au Fanal, pardon. Déjà, vous voyez que là où vous êtes, il y a un petit embarcadère. C'est grâce à ça que vous êtes remonté sur l'embarcadère qui est solide. Vous êtes au nord de cette petite île. Vous voyez qu'il y a un petit sentier de terre qui monte, qui est entouré de rochers. Et il y a un faible bourdonnement de machines que vous entendez, que vous devinez être certainement un générateur. Ce que vous savez, c'est que vous avez suivi une lueur. Alors, encore une fois, pas la lueur du phare, hein, une autre lueur. Vous ne savez pas trop exactement. Immédiatement, Abigail est là et fait « Mais c'est pas possible, mais comment on va faire ?» On va bien trouver un truc, sinon on peut aller au phare. Normalement, je connais un gardien et s'il est sur place, il devrait pouvoir nous éclairer et au moins nous... D'accord. Ouais, j'espère on sera à l'intérieur, on sera peut-être plus au sec. Ouais. J'espère que tout est bien là-bas, parce que si ça s'est éteint... Ah, il y a dû avoir une couille, mais je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. Espère-le. Si on allait voir.
Vous êtes donc vous remettez un petit peu vos affaires. Vous avez pas trop, heureusement, hein, vous ne semblez pas avoir perdu grand chose. Par contre, la jeune femme vous dit que voilà, elle dit non, j'ai vu quelque chose d'assez remarquable. Je suis, excusez-moi, je ne suis pas présenté. Je suis Abigail Griffiths, le docteur Abigail Griffiths. Je suis biologiste et en fait, je m'intéresse à toutes les espèces sous-marines et j'ai vu un énorme, mais je ne sais pas ce que c'était, mais un énorme poisson vraiment sous l'eau. J'ai remarqué aussi. Enfin, j'ai vu une forme. Ah oui, c'est là quand on est tombé dans l'eau. De crocodile ou je ne sais quoi exactement. Alors, et là, elle rigole un petit peu. Alors, je suis désolé, mais des crocodiles marins, effectivement. Alors, on peut en trouver. Et elle commence à blablater. Ouais. Elle vous balance pas mal de termes techniques. Vous êtes un petit peu impressionné déjà parce que, honnêtement, quand vous l'aviez vu sur le bateau, vous étiez un peu arrêté à son physique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est plutôt séduisante. Mais c'est surtout que. Du fait de l'époque, etc., vous ne vous attendiez pas à une scientifique, mais là, elle balance des termes, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle dit, d'accord ? Et clairement, elle semble connaître son sujet, et en fait, vous remet un petit peu à votre place l'espace d'un instant, parce que oui, vous aviez déjà dans votre tête imaginé un petit peu sa personnalité, c'est pas du tout ça, qu'on soit bien d'accord. Et elle sait de quoi elle parle, et donc vous êtes un petit peu en mode ah, ok, d'accord, bon. Et donc, elle s'arrête un moment et elle fait « Oui, bon, vous avez raison, allons-y, excusez-moi, je m'emporte dès que je parle de... C'est, vous savez tout ce qui est... Enfin bref, peu importe, excusez-moi. » On a besoin de pêcher, on vous demandera. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, même si je pense que... Ok, on y va. Vous avancez. Le petit sentier donc monte et après une petite marche, vous arrivez à un cottage. La zone est... Vous voyez qu'il y a un peu de forêt un petit peu plus loin. Immédiatement, vous pouvez voir que la porte du cottage est entrouverte. Au fond de ce cottage, il y a le phare, on soit bien d'accord. Hein. Et la porte est donc entrouverte. Comme je l'ai dit, il y a une vive lueur qui filtre à travers l'ouverture. Il y a des fenêtres hein, de chaque côté. Les rideaux, cependant, devant, bloquent la vue à l'intérieur. Ça diffuse malgré tout sur la fenêtre de gauche une lueur assez chaude et accueillante. Et donc le sentier continue vers l'arrière du phare, mais je vais faire un jet de dés. Ok, d'accord. Bon. Vous remarquez tous et toutes des empreintes devant l'entrée. Il y a des empreintes de bottes. Ça, vous attendiez évidemment à cela, mais il y a aussi une série de petites empreintes boueuses par-dessus, clairement qui ont été laissées donc après celles des bottes et qui les recouvrent. Vous voyez que Abigail se penche, les regarde et met ses mains, elle fait ah, c'est étrange ça. Il y a des poissons sur terre. Non, c'est... Ben non, regardez. Et elle vous explique qu'effectivement, c'est des traces palmées, en fait, un petit peu d'un canard. Elle fait... C'est... Ça, c'est étrange. Ça va où ? Et vous voyez que ça l'intéresse un petit peu. Ce que vous remarquez, c'est que l'océan était déjà agité. Maintenant, c'est de pire en pire. Vous sentez le vent se lever. La pluie commence à tomber. Clairement, les traces s'effaceront rapidement. Il y a donc un choix qui se présente à vous. Soit enquêter sur ces étranges traces, soit explorer le cottage. Si vous allez explorer le cottage, les traces seront certainement effacées par la pluie d'ici une dizaine de minutes. Voilà. Après, vous pouvez vous séparer. Ouais, je connais un des gardiens du phare. Moi, je pense que je vais directement y aller voir ce qui s'y passe. Est-ce que quelqu'un l'accompagne ? Écoutez, oui... Docteur Griffiths, ne partez pas trop vite, je viens avec vous. D'accord. Bah, du coup, j'accompagne... Félix. Très bien. Vous vous séparez donc. Félix et David entrant dans le cottage. Stuart
tu avances un petit peu. Est-ce que tu as un score en pisté? Pisté, je ne crois pas. Non. Très bien. Elle se cherche avec toi, elle te montre un petit peu. Et donc tu avances, tu vois que y a deux pistes qui se séparent. Les empreintes étranges, petites empreintes étranges, continuent vers le sentier qui part derrière l'île, hein, vraiment. Tandis que les empreintes humaines, elles, vont vers le bosquet, là où il y a des arbres par la suite. Quel chemin t'intéresse le plus? Plutôt les empreintes de bottes, moi, essayer de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être allumer le phare. Alors que vous avancez et que tu lui montres le chemin, vous avez une étrange impression, et tu sais qu'elle l'a aussi, puisqu'elle s'arrête en même temps que toi, d'être observée. Vous regardez comme ça un petit peu derrière, ouais. Tu regardes autour, il y a des bruits, mais c'est peut-être le vent dans les arbres, et puis après tout la tempête se lève. Et puis on n'a pas de lampe avec nous, j'imagine, donc... Non, vous êtes éclairé par le peu de lumière qui filtre depuis la maison, et puis bien évidemment la lune. Ouais. Vous suivez donc ces empreintes vers le bosquet. Au bout d'un moment, vous arrivez donc clairement à là où mènent les empreintes et la découverte est plutôt choquante. À tout de suite. Yes. Félix, David, vous voyez Stuart et Abigail s'éloigner dans l'obscurité tandis que vous rentrez, vous... à l'intérieur, eh bien, de ce petit cottage à la porte entrebâillée. En entrant, vous faites face à un large couloir qui donne sur quatre pièces, hein, deux de chaque côté. Et puis, au bout, un escalier en colimaçon qui monte, vous vous en doutez, au phare. Il n'y a que la lumière du salon. Qui semble être allumé. Le reste semble être éteint. Évidemment, l'endroit où vous êtes, enfin le couloir aussi est allumé. George Cassidy, t'es là? Il y a un petit silence. Vous n'entendez pour le moment rien. Vous connaissez le gardien du phare ou c'est... Oui, mais oui. Moi, je connais un gardien de phare, mais c'est pas George Cassidy, c'est Michael Turner. Et là, du coup, j'appelle aussi Michael. Le silence vous répond. Vous pouvez remarquer que au sol, y a plusieurs choses que vous pouvez voir. Y a des porte-manteaux sur le côté. Y a un ciré usagé dessus et 4 bottes en caoutchouc qui sont rangées dans un bac juste en dessous. Et il y a clairement la place pour une troisième paire de bottes. Vous le savez, c'est rare que les gardiens de phare soient seuls. Donc 2 ou 3 gardiens sont vraisemblablement présents. Il y a aussi 2 lampes à huile accrochées au mur avec un autre crochet à côté. Suggère qu'il y en aura une troisième normalement. Il y a quelqu'un ici, quoi, normalement, ouais, ce que je vois, dans les parages. Bah, j'imagine que quelqu'un est sorti, mais du coup, où sont les deux autres, potentiellement? Ils doivent être à l'intérieur, mais bah, si personne peut-être, mais s'ils ne nous entendent pas. Ouais. Alors, je précise, vous pouvez chercher les pièces ou explorer une par une, enfin, vous faites ce que vous voulez. Bah, je vais d'abord aller checker ce qui m'a d'être un peu une sorte de salon. Ouais, bah pareil. Il y a une lumière, il y a peut-être quelqu'un qui dort et qui sait qu'on. Qu'on n'a pas réveillé, je sais pas. Très bien. Alors, attendez. Hop. Est-ce que
excusez moi mais c'est juste qu'ils écrivent salon et qu'en fait il n'y a pas de salon. Oh non, depuis le début. Mais je croyais vraiment qu'il y avait un salon. J'étais sûr qu'il y avait un salon, je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'ils entendent la cuisine hein, par le salon. Ah. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est carrément le bureau, hein, ce qu'ils ont dit à la porte de gauche. Ouais, c'est le bureau. Bon, bah très bien. Ce qui s'appelle un salon est un bureau. D'accord ? Ok. De toute façon, on pouvait pas vraiment savoir que c'était un salon. C'est ça. Aller, donc. Tout à fait. On avait l'intuition, mais elle était mauvaise. Mauvaise intuition. Vous entrez. Vous pouvez voir des fauteuils disposés avec des bureaux, des choses comme ça. Et il y a donc pas mal de choses à fouiller, mais il n'y a pas de traces de personne. Vous pouvez voir qu'il y a des livres de comptes maritimes, il y a pas mal de livres comme ça, vous pouvez regarder ça. Ceci dit, vous pouvez voir qu'il y a une peinture qui semble assez récente, qui a été posée près d'un tas de toiles, qui a l'air assez intrigante. Il y a aussi pas mal de... Enfin, vous savez, c'est ce qu'on appelle un secrétaire, c'est-à-dire un bureau, mais qui est fermé. Donc, il est fermé. Est-ce qu'il est fermé à clé? Ça, vous ne savez pas, faudra regarder. Il y a pas mal de choses à fouiller ici si vous le souhaitez. Et puis il y a une pièce qui va vraisemblablement pour vous dans la cuisine. En tout cas, la porte est fermée. Je me rapproche de la peinture. J'aimerais voir si peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer en soi. Alors, tu peux déjà voir ce qu'elle représente. Vous voyez une ombre, une silhouette. Avec des grands yeux qui regardent méchamment à travers une vitre. Et il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que cette vitre est celle qu'il y a juste à côté de la fenêtre, en fait, par laquelle vous regardez. C'est assez effrayant, honnêtement. Je vais vous faire un petit jet de santé mentale. Félix, ça te met vraiment mal à l'aise. Instinctivement, je me retourne vers la fenêtre, du coup. Ouais. Tu vois que le rideau est tiré. Donc, heureusement, tu ne vois pas dehors. Ça te rassure un petit peu. Maintenant, la silhouette ne fait pas naturelle. Enfin, elle ne fait pas humaine dans ses formes. Bon, ça, tu ne saurais pas exactement dire pourquoi, parce que ce n'est pas non plus... Ton fort, on va dire. Domaine de prédilection. Voilà. Maintenant, la valeur, pas grand chose. Ouais. Bon, c'est pas un truc dont tu peux tirer grand chose. J'espère qu'il m'a pas fait venir ici pour ça, parce que sinon. Il y a d'autres peintures à côté, hein, rangées en dessous. J'essaie de regarder un peu ce qu'il y a derrière. Bon. Tu regardes, il y a pas mal de trucs, et puis il y a une image qui attire ton attention. C'est un. On voit un bosquet, le phare, un ou deux autres petits bâtiments, et la silhouette d'un homme dans l'obscurité du chemin qui s'enfonce entre les arbres, et tu vois que il est daté du 14 février 1926. Et. Et donc toutes les peintures sont ont un les rapport avec le peu... phare, etc. Non, les autres sont plus neutres. Bon. C'est daté du quand ? 14 février 1926. Oui. Donc on a un artiste parmi nos gardiens. Bref, là. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, toi, David ? Moi, je vais aller voir le secrétaire. D'accord. Tu vas pour tester, hein, pour voir s'il est fermé. Heureusement, il est fermé, mais pas à clé. Ok. La première chose que tu trouves te fait réagir, puisque c'est une tasse à moitié pleine de café encore chaud. Y a beaucoup de fournitures de bureau, hein, des enveloppes, des timbres, des feuilles, de l'encre, des stylos, etc. Pas mal de factures.
Ok. Donc ça, tu peux les regarder pour voir le détail si tu le souhaites après. Hein. Mm-hmm. Et tes lettres, des choses comme ça. Ok, bah, je regarde d'abord les factures. Alors, les factures, c'est des estimations pour des pièces qui viennent de nombreux magasins d'antiquités de Rockport, des choses comme ça. Il y en a qui elles sont à peu près toutes de fin février de cette année. Hein. Et donc, les évaluations, c'est de 2 à 5 dollars. Pas mal, hein, quand même. Mmh. Voilà. Et du coup, des pièces, tu veux dire des pièces de... Des pièces de monnaie, ouais. Vraisemblablement. Ok. Ok, très bien. Et les lettres, il y a des choses intéressantes dedans ou... Alors, tu peux les regarder plus en détail. Effectivement, Félix, à ce moment-là, donc toi, t'as... Vous avez fini de fouiller en même temps, à peu près. Donc, tu le vois qu'il commence à regarder, effectivement, des lettres. Donc, Félix, tu vois ça. Si t'as trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans, moi, j'ai que des croûtes, hein, de mon côté, donc... Pas spécialement. Je pense que si on a un artiste, on a certainement aussi un collectionneur. Peut-être que c'est la même personne. Fais voir les lettres. Bah, du coup, vous regardez les lettres, ouais. C'est des lettres d'antiquaires, de bibliothécaires, d'universitaires qui sont assez loin de Rockport. Et du coup, vous voyez que toutes les lettres commencent par « Cher Monsieur Cassidy », avec des excuses de l'expéditeur dans son incapacité à déterminer l'origine des pièces décrites et qui lui demande, ceci dit, que s'il lui a envoyé un échantillon, voilà, voilà. Du coup, je vois les pièces à côté du... Ouais. Ouais, ouais, ça apparaît de ces pièces-là. Il m'a fait venir pour ça. Bon. Vous... Vous pouvez continuer de regarder, donc... ça, alors, attends, en bibliothèque, vous avez combien, juste pour savoir ? Bibliothèque... Bibliothèque, c'est... J'ai pas de B. Librairie. Ah oui, bah, je suis bête. 45. Ok. 20. Ok. Très bien. Vous voyez qu'il y a aussi deux tiroirs hein, sur le bureau, si vous le souhaitez. Je fouille les tiroirs, oui. Donc celui de gauche est ouvert, il y a une clé brisée dans sa serrure. Il y a 6 balles et une boîte en bois vide, avec, vous savez, un revêtement en velours qui montre clairement la forme d'un revolver. Celui de droite, par contre, est verrouillé. Donc, à moins que vous ayez... Vous pouvez le forcer ou le crocheter si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vais peut-être essayer de l'ouvrir, du coup. T'as combien de crochetage ? Je prends les balles, moi, de mon côté. Ok. Tu peux les mettre dans ton inventaire. 1%. Combien, 20%? Non, 1. 1%. tu vois qu'il arrive et il met un... Tu sais, tu prends un truc qui est à côté, genre, je sais pas, un petit tournevis, un truc comme ça. Tu le mets et tu le pètes dans la serrure. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah... Vous foutez... Je sais pas, j'essaie. Il y a peut-être des... Peut-être ah des bah là, tu peux pas essayer de forcer, là. Le bout de tournevis, il est bloqué dedans ou on peut le retirer? Tu peux le retirer, c'est pas... il l'a pas complètement baisé. T'as combien en force? Alors attends, force c'est tout en haut. 85. 85? Ouais. Non, fallait commencer par ça en fait. Ok, du coup il prend la... Moi je pense que tu prends directement le petit bout de tournevis que t'as bloqué dedans, et tu sais, tu forces et ça pète la serrure. En fait, à l'intérieur, tu fais levier avec. Ah, regarde, donc ça pète ça carrément ça. Le truc. Je savais bien que j'avais... On aurait dû commencer par là, hein. C'est un journal intime. Je vois que c'est un journal intime. Ouais. Je prends les mains. Enfin, s'il est dans la main, je le prends en d'accord. premier. D'accord. T'as le temps de voir tout de même, et vous le voyez qu'il y a un croquis d'une sorte d'obélisque sur la couverture. Ça, vous le voyez. Du coup, vous pouvez lire le journal intime, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a un nom dessus? Oui, George Cassidy. Okay. Ouais, du coup, j'essaie de... T'essaies de lire, de le d'empêcher... De, ouais. de le feuilleter, mais en essayant de faire en sorte de lui faire comprendre que c'est pas son problème, en fait. Moi, je regarde T'en penses quoi, David? Tu regardes quoi? Ok, il insiste. Très bien, à tout de suite.
Stuart. Oui. Tu es donc avec Abigail face à un véritable massacre. Un corps mutilé, étripé, les entrailles lacérées, piétinées dans la poussière. Clairement, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ah ben là, c'est quelque chose de terrifiant. Ouais, ok. T'as combien en San? 60. Ah, un, ok, très bien. T'essayes de souffler un peu, c'est quand même quelque chose qui te ouais, qui je fais quelques pas en mal. Arrière. T'es un peu... t'es pas bien, tu vois que Abigail est plus intéressée qu'autre chose. Elle commence à faire, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas possible. Elle commence à un peu l'ausculter, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Du coup, elle commence à regarder, et donc elle pousse un truc, et vous voyez qu'il y a une lanterne brisée en dessous de lui, en fait. Okay. Et elle la touche, elle prend ta main, et elle vient faire en sorte que ta main touche la lanterne. Tu sens. Encore chaud. C'est encore tiède. Elle te regarde, vos deux yeux sont fixés l'un à l'autre. L'espace d'un instant, le moment pourrait... Si ce n'était sur une... presque être romantique, mais là, non. Non, pas du tout, non. Vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose récemment. Ouais. Elle regarde les blessures, elle t'explique. Vraisemblablement, il a été éventré par un animal. Ouais, je pense au que vu je des curieuses traces de dents. Parce que je suis vraiment trop à regarder ce qui se passe autour et à surveiller, écouter un peu s'il y a des sons, alors, des bruits ou quoi. Elle te dit aussi... elle commence à regarder. Elle trouve quelque... Elle fait... peut-être qu'il y a... Elle fouille ses poches. Elle sort et elle te montre. Un étui vide. Un étui, vraisemblablement, d'une arme, quelque chose comme ça. Ouais. Et elle sort quelque chose. Vous voyez, dans la faible lueur, que c'est un badge. Okay. Un badge du BOI, le Bureau of Investigation, donc l'ancêtre du FBI, au nom de Warren Thomas. Elle le lâche. Non pas parce qu'elle a eu peur de ça, mais parce qu'il y a eu un bruit de craquement dans le bosquet un petit peu plus loin. Je me retourne pour regarder, essayer de voir si je vois quelque chose. Tu c'est dû cherches, à gratter de la main et à reculer. Ouais, tu recules. Ouais. Alors attends. Tu recules dans l'obscurité. Tu t'accroupis ou pas? Ouais, je pense que je suis accroupi depuis le début. Ok, d'accord. Très bien. Tu t'accroupis, tu recules et tu tombes. La main dans les intestins de ce pauvre, vraisemblablement, Warren Thomas. Tu es dégoûté, mais tu sens quelque chose de froid au contact. Tu regardes et grâce au fait que tu aies gardé ton calme, bien évidemment, tu peux... voir un petit peu sans paniquer, tu vois, dans je ta main. Je respire un peu plus fort quand même. Enroulé dans les intestins de ce pauvre bougre, un 38 spécial, un Smith & Wesson. Yes. Je pense que un je revolver. Le tire en mode... Ouais. Elle te regarde sans dire un mot, bien sûr. Et elle te... elle te regarde et elle te... Elle fait... Elle te fait le geste pour vérifier qu'il y a des balles. Je regarde un peu. Ouais. Tu as quelque... Est-ce que tu sais utiliser arme à feu? Je crois pas. Hein. Non. Ok, c'est cool. Elle te montre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais être un peu tremblant et tout. Et vous voyez ensemble que 5 des balles sont présentes. La dernière, l'étui a été est vide. Ouais. Donc la balle a été tirée. Ok. Vous êtes tous les deux un petit peu sous le choc. Encore une fois, un autre craquement, autre part, derrière vous. Vous retournez, vous réalisez que la pluie a commencé, peut-être que c'est la pluie, peut-être que, après tout, c'est une île, il peut y avoir des cormorants, des choses comme ça, vous ne savez pas. Mm-mm. Toujours est-il que vous êtes assez, assez inquiets, tous les deux, sur ce petit îlot perdu au milieu de nulle part.
elle te chuchote. Est-ce qu'on va voir après ou est-ce qu'on rentre? Vous voulez bien ce qui s'est passé? Il a été massacré, c'était il y a pas longtemps du tout. Il faudrait peut-être qu'on retourne, je sais pas, retrouver les autres ou... Comme vous voulez, je sais pas, mais en même temps, s'il y a quelqu'un... Oui, peut-être le gardien du phare ou quelque chose, ou... Il y avait l'autre trace de par là-bas, peut-être que... Du coup, est-ce que tu veux aller voir l'autre trace par là-bas, donc il va vers le sud de l'île, ou est-ce que tu veux revenir au chaud, entre guillemets, dans le petit cottage? Je lui demande si... Est-ce que vous savez vous servir... Je lui montre l'arme. Elle le prend, elle fait ce... Un peu. Un peu, ok. Écoute, allons voir par là-bas et du coup suivre l'autre trace vers le sud. Vous marchez. Encore une fois, un petit peu inquiet de ce que vous avez trouvé et dans la pénombre. Mais j'ai tous les sens aux aguets, je pense. J'essaie vraiment d'écouter le moindre bruit, me fait sursauter. Je rappelle que vous êtes entouré par la mer, qui fait, elle, ouais, qui fait beaucoup de bruit, le vent augmente. Ouais. En continuant, vous voyez qu'il y a, un peu plus bas, un autre embarcadère, délabré. Il y a un bateau à rames jaunes, et au loin, vous voyez les lueurs d'une petite ville. Il y a même... Tu les reconnais, les célèbres carrières de granit de Rockport au sud, sud-ouest, un peu visibles. Il est maintenant difficile de voir grand-chose d'autre, hein, à moins d'avoir peut-être des jumelles ou une longue vue, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais on est vraiment sur une île ou c'est que c'est relié... Ah oui, c'est relié, une toute petite île. C'est vraiment une toute petite île qui fait... Mais le village est dessus, quoi. Ouais. Okay. Le village est... Oui, de l'autre côté. Sur la côte, côte. Donc voilà, vous êtes à peut-être un kilomètre de la côte, quelque chose comme ça. Tu reviens avec elle. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez vues, que vous avez évidemment passé outre. Hein. C'était des petites cabanes qu'il y a autour du cottage. Donc, ça sera l'occasion de les visiter après. À tout de suite. Ouais. Attends aussi, sur... Ouais, c'est Ardoche, littéralement. Facebook. Bonjour. Sardoche, donc. Vous lisez donc ce journal que je vais vous lire à vous. 13 février 1926. J'ai trouvé quelque chose pendant l'une de mes promenades. Une pièce de monnaie. En continuant de marcher, j'en ai découvert une autre. Et une autre encore. C'est de l'or, j'en suis sûr. Il y avait aussi des fragments de métal provenant sans doute d'un navire. Bien que je sois allé en ville dernièrement, je me rappelle pas avoir entendu parler d'un naufrage récent. À moins que le bateau ait sombré au cours de la tempête de cette nuit, quand la lumière s'est éteinte. Mieux vaut garder le secret. Je veux pas que les deux autres aient part à l'affaire. Ce journal me servira à recenser mes trouvailles. Tout ça doit valoir une fortune. 16 février 1926. Le catalogue de monnaie que j'ai acheté à Cap Le Folle ne sert à rien. Je peux déjà affirmer que les pièces sont anciennes. Très anciennes. J'ai demandé à rester ici aussi longtemps que nécessaire pour m'assurer que mes poches soient remplies au maximum quand je quitterai l'île. Il faut trouver une piste sérieuse et aller où l'or me mènera. Si j'écrivais à certains de mes vieux « collègues », il met des guillemets, pour voir s'ils peuvent m'aider. Et tant que j'y suis... Autant aller faire un tour chez les antiquaires de luxe à Rockpoint. 10 mars 1926. J'ai de plus en plus de mal à mettre la main sur d'autres pièces, et la présence des deux nouveaux gardiens n'aide pas. Fureté sur l'île, ceux qui voient mon manège devient difficile. J'espère qu'ils me causeront pas de problème, mais même si ça arrivait, j'ai déjà rempli une petite bourse que je garde sur moi en permanence. 3 avril 1926. Je tiens enfin quelque chose. Encore une lettre à envoyer à Innsmouth et je pourrais quitter cette saleté d'île pour de bon. J'ai l'impression que Michael me surveille. Bien m'a pris d'acheter un revolver juste au cas où. 11 avril 1926.
Smith doit quitter le phare demain matin. Il me dit que peu importe si ce départ anticipé met un terme à son contrat, il en a plus qu'assez de cette île et de tout ce qu'elle renferme. Ça fera toujours une paire d'yeux inquisiteurs en moins. Mais je reste coincé avec ce fouineur de Michael. D'après Smith, la radio a encore fait des siennes en plein milieu de sa conversation avec les patrons. Il a promis de la réparer avant de partir. J'ai compté mes pièces pour être sûr qu'on m'en a pas fauché quelques-unes dans mon sommeil. Michael m'a espionné par la fenêtre alors que j'étais sorti pour ma virée quotidienne. Il va falloir que je monte un peu, que je me montre un petit peu plus prudent. 12 avril 1926. Smith est parti sans un mot. Michael et moi ne l'avons même pas vu s'en aller. Le plus étrange, c'est qu'il a même pas emporté ses tableaux. Sans parler du fait que la radio n'est toujours pas réparée. J'y jetterai un œil ce soir. Michael est parti vérifier quelque chose dehors. Je le trouve un peu parano. Il doit pas mettre que du tabac dans sa pipe. Au moins, ça me laisse davantage de temps pour écrire que je n'ai pas eu de nouvelles de... Et de... Ça fait un trait. T'as l'air vachement rassurant, ton pote. C'est pas ton pote, là, qui a l'air d'être parano, hein. Il m'a autre chose que du tabac. Non, je le connais. Je sais pas, hein, la solitude, ça peut faire des conneries. Prends les pièces. Tu prends ce qu'il y a, y en a pas beaucoup. Putain, dans quoi il s'est fourré. Bon bah c'est super, on avait un écrivain, un peintre et un toxico. Mais non. Mais ça m'inquiète tout ça. Mais j'ai envie de... Ah bah on va fouiller autre chose, hein, il ouais. Y a plus rien, de toute façon. Ouais, je pense... Je repose le journal. Ouais, et puis bah du coup, peut-être commencer par aller vers la cuisine, si c'est la suite logique, entre guillemets. Très bien. Vous entrez dans la petite cuisine. Il y a plusieurs choses qui... vous marque. Déjà, la cuisine contient un évier où sont entassées des assiettes sales, une marmite, une table avec son trio de chaises et trois portes. Une qui mène dehors, une autre dans le couloir et la dernière, c'est celle que vous venez d'emprunter. Dans le coin opposé, vous trouvez un petit poêle à bois et un âtre sur lequel repose une bouilloire encore chaude. L'une des chaises gît en 1000 morceaux sur le sol. Et une flaque de sang s'étale au-dessus. Putain de merde. Combien avez-vous d'intelligence, s'il vous plaît? 65. 55. Okay. Toi, Félix, tu te dis que à ta place... Enfin, à sa place, toi, tu auras utilisé le siège comme arme, vraisemblablement. Et l'autre chose que vous réalisez, c'est que le sang, clairement, est pas vieux. Il n'est pas là depuis plusieurs jours. Il est récent. Quand, vous ne savez pas exactement. Est-ce que vous fouillez plus la cuisine ? Est-ce que vous prenez quelque chose, peut-être ? Le sang, il est juste là, il n'y a pas de... On dirait pas qu'il y a eu quelque chose qui... Enfin, il n'y a pas de traînée de sang ou de chemin. Si, tu peux voir qu'il va vers le couloir. Ok, bah moi est-ce je suis couteau, le sang. Un couteau de cuisine, quelque chose comme ça. Ouais. Tu fouilles, tu trouves un poignard. Un grand couteau de cuisine aiguisé, tu vois. Le truc qu'ils utilisent vraisemblablement pour ouvrir le poisson, etc. Donc ouais, tu peux le prendre. C'est un bon couteau, tu peux mettre un des trois. C'est un des trois de dégâts plus impact, mais mets un des trois, ça sera très suffisant pour moi. Faites attention avec ça. Pas de soucis, vous inquiétez pas. En cas d'extrême urgence. Dans les deux... Enfin, dans les... Il reste deux pièces dans le couloir, et sinon, le phare. Et je vous rappelle que vous êtes avec deux autres personnes. C'est vrai. Moi, je suis inquiété. Du coup, je pense que je suis le sang. J'essaie de voir si ça mène quelque part. D'accord. Le suis. Vous sortez et cette partie-là du couloir est pas éclairée.
Du coup, vous pouvez... Ouais, peut-être qu'on peut récupérer une ouais. des lampes. Vous faites ça. Très bien. Bonne idée. Vous pouvez voir qu'il y a... Et c'est... Attends. Ouais. C'est toi, Félix, qui le voit. Il y a deux balles enfoncées dans le sol du couloir. Je lui montre les impacts. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Bon. On est d'accord que c'est équivoque. Pour toi, David, elles ont été tirées par quelqu'un qui était posté plus haut dans l'escalier. Derrière. Et... Les éclaboussures de sang vont donc de la porte de la cuisine aux marches. Et là, il y a trois grosses pièces. D'accord ? Donc ça, c'est des vraies grosses pièces qui sont vraisemblablement celles dont il parle. Et vous remarquez dessus l'espèce d'obélisque qui avait dessiné sur le journal, que vous avez toujours en main, hein, j'estime. Qui a été redessiné vraisemblablement sur le journal. Le sang, là, toi, ça t'inquiète vraiment, hein, David. Mmh, ouais. Toi, Félix, ça te préoccupe plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose de profond. Genre, j'espère que t'as pas fait une connerie. Félix... Bon, je pense qu'il y a, peut-être un gars en haut armé, du coup. Hein. Félix, en prenant une des pièces, je pense que tu la prends. Ouais. C'est de l'or massif. D'accord. En la retournant, tu peux voir que de l'autre côté où il y a l'obélisque, de l'autre côté, c'est plein de sceaux étranges et de motifs assez perturbants. Est-ce que vous avez en occulte, vous avez combien ? J'ai 45. En occulte, bah, super question. Occulte, j'ai rien. Ok. Eh bien. 100%, quoi. Ouais. Bah vous savez pas ce que c'est. Ok. Bon. L'artistique ou un truc qu'on a comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on fouille des autres pièces, soit on va en haut parce qu'on a peut-être un blessé, peut-être armé. Le sang il reste juste dans le couloir, il va pas vers une autre pièce. Il va, comme j'ai dit, il va vers le phare. Ouais, bah... Ouais. Bon, moi je serais d'avis d'aller voir directement parce que si la personne est blessée, ouais. Autant pas arriver trop tard si. Ouais, ouais. Très bien, vous vous dirigez donc vers l'escalier. Stuart, tu continues donc ta remontée vers les petites cabanes, etc. pour voir un petit peu faire le tour tout ouais. simplement de ce qu'il y a. Hein. Il y a. Pas grand chose de bien fou. Tu peux voir que déjà il y a une petite cabane qui contient donc le générateur. Ok, qui est en train de tourner du coup. Ouais, et on run ouais. en tournant. Il y a un gros stock d'essence, du bois de chauffage. Mm-hmm. Tu peux voir quand même que il y a des gouttes de pluie qui tombent goutte à goutte. Sur l'installation électrique à travers une fissure dans le bois. Tu pourrais le réparer, mais ça demandera un petit temps, quoi. Mais ouais. voilà, au cas où. Ça doit être là, un petit moment. Il y a une autre cabane, donc un peu plus grande, et là, c'est un atelier. Mmh. En rentrant, tu peux voir qu'il y a un peu de tout, hein. Des pièces mécaniques, des outils, des lampes à huile, il y a un établi. Voilà. S'il y a un jour, lampe à huile, ça peut être intéressant. Ouais, très bien. Tu la prends ? Bah ouais. Ok. Y a pas mal de choses comme ça par rapport à ça. Et puis ensuite, eh bien, l'autre... voilà, le reste, c'est plutôt une... déjà, il y a une des portes qui mène dans le bâtiment du cottage et du phare, ouais. quoi. Okay. Et puis ensuite, il y a une sorte de... douche sommaire d'extérieur, hein, une baignoire avec une pomme de douche de fortune, tu vois, alimentée avec un collecteur d'eau, puis un petit appentis, etc. Bon, c'est pas... voilà. Okay. C'est histoire. Donc, tu peux revenir dans le cottage si tu le souhaites, bien sûr. Je précise que pendant que tu explores, t'étais un peu focus sur trouver des choses, etc. Mmh. À partir du moment où t'as allumé la lampe, ouais. les bruits
dans les bosquets se sont un peu intensifiés. Okay. De même que le vent, de même que les vagues. Ok. C'est inquiétant. Ouais. Ok. Je pense que je vais essayer de voir du coup plus à l'intérieur du côté, vu que c'est là où les deux autres sont allés. Vu qu'on y est, c'est peut-être très bien de. Vous entrez. Ouais. Alors que vous avancez vers le couloir, vous entendez derrière vous un bruit. La porte d'entrée. Qui s'ouvre très lentement. Et vous voyez une lueur. Une lueur qui est une lueur de lampe à huile, vraisemblablement. George ? Michael ? Pas de réponse. Et vous voyez d'un coup Stuart et Abigail arriver. Ça me fait marrer, vous avez dit George Michael, j'avais même pas fait gaffe. Du coup, t'entends Stuart, Félix et David, tu les vois un peu inquiets au bout du couloir, une lampe à huile aussi à la main. Félix a un couteau à la main. Okay. Et du coup, à leurs pieds, à bien les regarder, vous voyez du sang. Okay. Je pense qu'on on doit avoir le regard un peu inquiet aussi. Vous voyez qu'ils ils arrêtent pas de regarder derrière eux. Est-ce que tu refermes la porte derrière ou pas? Oui, bien sûr. ils referment très rapidement la porte. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va, ça va? Abigail, elle a. Tu vois, il y a Abigail qui montre. Elle montre un 38 spécial Smith & Wesson. on a trouvé ça et je me rapproche et je lui tends la main pour essayer pour demander de me le donner. En mettant le couteau, en reposant le couteau du coup pour sous sa gorge. t'as combien en barre attends toi. Fast talk 55, ok. Ouf. Belle réussite critique. Elle fait ouais, ça, de toute façon, ça me. Elle te donne l'arme. Et elle fait, j'ai trouvé ça aussi. Et elle sort. Un badge. C'est un badge du Bureau of Investigation. C'est le FBI avant que ça existe, quoi. Qui est au nom d'un certain Warren Thomas. Je le récupère. David, tu le prends dans ta main. Donc, elle le garde pas spécialement. Il est 23h03. Et 23h03, c'est normal. C'est le bug de 23h03. On le connaît tous. Tout va bien. C'est normal. Il y a Félix qui nous fait une imitation de Bigard. Tout va bien. Donc je disais, David, tu le prends. Ouais. Tu lui prends des mains pour le regarder. On l'a trouvé sur quelqu'un qui était complètement sauvagement assassiné par. Je sais pas par quoi exactement. Des griffures, des morsures, des tripes. Et on a entendu des bruits. Et il y a une ville et. Tu sais, elle commence à mélanger un peu les infos. Tu vois qu'elle est un peu sous le choc. Et merde. La laisse déblatérer. Je regarde s'il y a des balles dans la chambre. Il y a 5 balles. Il manque. Une balle a été tirée. Elle a été tirée. Et celle que j'ai. Vous connaissez ? Est-ce qu'elle passe dedans ? Oui. Ok. Non. Attends. Je crois que c'est le même calibre, je suis pas sûr. Attends, je regarde, je te dis ça. J'ai un doute. Je me demande si c'est pas le même. Si c'est pas un calibre un peu. Non, c'est pas le même calibre. Ok. J'interromps David, enfin, je pose une main sur les pouces, je fais. Vous le connaissez ? Oui, c'est un. C'est un collègue. Et du coup, je sors. J'imagine, j'ai aussi une plaque. Ouais, il sort une plaque. Il fait partie du Bureau of Investigation. Ah, mais vous êtes un... Je le regarde un peu. Ouais, c'était pas un drogué. C'était... Mais merde. T'es là-bas... Enfin... David, ça te choque plus que tu ne le penses. Hein. Tu t'essaies de... Garder un peu ton ancrage, mais ça. Je pense que je m'assois et je deviens un peu silencieux. C'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Il avait. Je tends la lampe à huile un petit peu. Il en avait une et elle était encore un peu tiède. Ça doit être celle qui manquait. Il dit ça, Félix dit ça en pointant un mur où tu vois qu'il y a une lampe. Enfin, il y a trois crochets et il y a les deux lampes qu'ils ont eux et. Vraisemblablement, celle que vous avez trouvée.
Bon, par contre, je vais pas vous presser, mais nous, on a trouvé des traces de sang. On a peut-être un blessé qui est dans le phare. Peut-être ouais, armé aussi. Faudrait, donc, faudrait moi, je vais pas attendre 30 piges non plus. Ok. David, vous avez une arme peut-être Oui. Et je pense que là, je suis un peu. Je pense que je prends les devants en fait. Je sors mon arme et je commence à monter les escaliers sans attendre vraiment personne. Très bien. Vous montez donc les marches. Vous montez donc l'escalier au bout du couloir et vous arrivez donc dans la salle de service qui est juste en dessous de celle où il y a la lanterne. Vous pouvez voir que il y a le mécanisme d'allumage du projecteur et au bruit qu'il fait, clairement... il devrait être toujours fonctionnel. Il y a donc les marches qui amènent sur la trappe qui permet d'accéder donc à la galerie qui est au sommet de la tour, là où il y a la lampe, évidemment. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs cartons dedans avec vraisemblablement des ampoules en fait, de secours pour la lanterne. Moi, j'en prends une, je pense, cas où. D'accord. Alors, c'est un peu massif. C'est un peu massif, ouais, mais ouais. Les autres, ils ont des flingues, des machins, donc je me dis que moi, j'ai les mains libres. J'ai une ampoule. j'ai une idée. Il y a aussi des carnets, des choses comme ça, qui sont consultables, évidemment. Il y a aussi une table... avec un établi et en gros il y a un poste de radio que vous pouvez voir qui est à moitié démonté. À moitié démonté comme si quelqu'un essayait de le réparer du coup ou de le saboter. Je sais pas, il faut t'as combien t'as des choses en électricité? Je crois que oui. Hein. Je crois que c'est toi. J'ai 50% en électricité. OK ouais. Tu peux voir qu'effectivement franchement tu pourras le réparer facilement. OK. Bah, quand je dis facilement, l'affaire de quelques minutes, même pas. Ouais, bah peut-être que je m'y mets tout de suite. Je me dis que le mieux c'est de communiquer le plus vite possible. Très bien. J'ai trouvé des traces de sang par terre de mon côté. S'il y en a, où elles peuvent mener. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de traces de sang. Là, les traces de sang, elles étaient en bas. Hein, donc, il répare. Et donc, tu peux essayer d'appeler les gardes-côtes. Hein. Ouais, bah, je fais un appel, je dis que je fais partie du Fédéral Bureau. Et, donc, ça, les gardes-côtes répondent, et ils font « Ok, on arrive dès que possible. » Là, le problème, c'est qu'il y a... et du coup, ils expliquent qu'effectivement, il y a un problème avec la tempête qui arrive, qu'ils vont peut-être pas pouvoir partir tout de suite, mais qu'ils arrivent dès que possible. Et je dis qu'on va essayer peut-être de... Enfin, en regardant Stuart, peut-être de remettre en marche le... Le phare, je pense, pour le capitaine, enfin, qui puisse savoir où on est, parce que là... Vous savez le faire? Vous savez le faire? Non, j'imagine que ça va pas être si compliqué. On apprendra. Je regarde l'énorme... l'énorme... Mensonge. Il y a un gros pas de vis. Voilà. Vous voyez maintenant que il y a une chaise renversée. Qui donc permet d'accéder à la salle de la lanterne si vous souhaitez y aller. Oui. Allons-y. Hein. Moi, je regarde un tout petit peu les carnets. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a rapidement quelque chose Tu peux voir que c'est des listes de tâches. Assez routinière, sauf effectivement que le 12 février 1926, il y a des problèmes de câble qui ont fait griller prématurément l'ampoule de lanterne. C'est marqué que la panne électrique couplée à la tempête qui se déchaînait dehors a ralenti la réparation et que le phare est resté éteint pendant plusieurs heures. Ok. 12 février ou 12 avril ? 12 février. Ok. Vous entrez donc dans la salle de la lanterne. Personnellement, du coup, je leur fais signe de juste ne pas se mettre devant la porte et je me planque derrière le mur du côté des gonds et j'ouvre la porte lentement. T'ouvres la porte lentement, très bien.
immédiatement un coup de feu. T'as combien en esquivé ? Bah, je me suis mis derrière le mur, en fait. Oui, mais t'as combien en... Attends, oui, si vous étiez... Bon, je leur ai demandé de pas se mettre devant la porte, ouais. En tout cas. Mais t'as combien en esquivé, quand même ? Je te donne un... C'est esquivé, alors... C'est en bas à gauche. Dodge. 40. Ok. T'inquiète, hein, t'as... Ok. Tu meurs. La... pas le dans le pet. Le coup résonne, etc. Et vous entendez un cri un peu gargouillé en même temps, vous voyez. C'est quelqu'un qui baragouine quelque chose, vous comprenez pas trop. Vous entendez clairement un bruit de quelqu'un qui essaye de recharger. Tirez pas, une arme. Tirez pas. On se calme, on est là pour aider. Je sais que j'ai peur. On est là pour vous aider. Félix, tu reconnais la voix. Moi, je crie, lâche votre arme. Georges, vous êtes blessé ? Qui c'est ? Qui c'est ? Putain. C'est Félix. Georges, lâche ton arme. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Du coup, vous entendez un bruit. Pour vous, il a lâché l'arme. Et je continue d'ouvrir la porte. Vous avancez, il y a deux panneaux de verre qui ont été brisés en haut. Il y a des tessons qui craquent sous vos pas en même temps que vous avancez. Il y a la pluie qui rentre, évidemment, qui vous entendait pas avant, en fait. C'est pas possible. Et, la passerelle métallique à l'extérieur serait extrêmement dangereuse à l'heure actuelle. Vous voyez que il y a du sang un petit peu partout. Un homme a l'air complètement défoncé. Il y a des blessures un petit peu partout. Tu le reconnais, toi, hein, c'est Georges. Georges Christy, qui est gravement blessé. Putain de merde. Je vais vers lui. Mais il s'est passé quoi, Georges ? Vous comprenez qu'il y a d'autres choses autour. Des choses dans un coin de la pièce. Des créatures que vous ne comprenez pas vraiment. Ils ont des sortes de bêtes aux allures de poissons avec des crocs énormes, une peau squameuse, vraiment quelque chose qui ne s'explique pas. Combien vous avez de santé mentale, s'il vous plaît ? 60. 55. Très bien. 65. Alors, attendez deux secondes. Hop. What ? Yes ! Bienvenue tout le monde. Ok, on va faire ça simple, hein. Donc, déjà, Stuart perd conscience. Ouais. Ensuite, Abigail freeze littéralement sur place. Toi, David, tu as le choix, soit tu tires au hasard avec ton pistolet, soit tu jettes l'objet le plus proche sur une cible aléatoire. Et je vais décider de la cible aléatoire au hasard. Je vais tirer. Très bien. Alors, hop. Ok. Félix, toi tu lâches tout ce que tu avais dans tes mains. Donc l'arme à feu, etc. Je vais faire un jet pour savoir si l'arme à feu... en tombant. Je vais lancer le dé pour savoir sur quel. Stuart se prend deux balles. C'est beaucoup trop drôle. Donc, Félix, tu lâches ton arme. Au même moment, David, tu tires. David, tu tires une balle dans Félix. Félix, ton arme tombe au sol et tire une balle dans David. J'aurais voulu le faire exprès. Incroyable. Que ça aurait pas fait ça, c'est incroyable. Donc par contre ça va être moins rigolo parce que hop. Oh non. T'as combien de PV, Félix ? 11. Non. Okay. Attends. Félix, tu te prends une balle en plein torse. Tu tombes au sol. Tu commences à hyperventiler. David, la balle t'érafle. La joue. Du coup, je me jette sur... Le NBA, quoi. Hey. Delta Green avant l'heure.
Le boy. Du coup, je me jette sur Félix pour essayer de... T'as combien en premier secours? Alors... Ou en médecine. Oui, alors déjà, premier secours. First aid 30. Et en médecine, je suis pas sûr que j'ai quelque chose. Immédiatement, Félix, tu commences à paniquer, tu vois. Non, mais on vous apprend sur les civils, merde. Il te stabilise très très vite. Certes, il s'est bien tiré, mais surtout, il s'est bien soigné. Déjà ça. Tu reprends un peu du poil de la bête, il stabilise, ça ne saigne plus au moins. Clairement, tu auras des séquelles, mais là, tu peux à peu près te déplacer. Tu ne pourras pas courir non plus, mais ça va. Georges, lui, est en très très mauvais état. Il tousse, etc. Il fait « Ces saloperies m'ont attaqué !» Qu'est-ce que... Tu sais, il est en train de crever. Immédiatement, la biologiste reprend un peu conscience. Elle se jette sur lui pour le stabiliser aussi. Elle chie un peu dans la colle. Elle a un peu paniqué, hein, tout simplement. Elle se retourne vers vous et elle t'explique, Félix, que elle a pu le stabiliser, mais il va mourir. Vous êtes sûr? Vous pouvez rien faire. Je suis pas médecin, mais je... Là, vous voyez que il y a un autre homme, hein, comme il y a un autre cadavre d'homme en plus des deux créatures. Lui, il fait Félix. J'essaie de me rapprocher. Hein. Et il chuchote quelque chose à l'oreille. J'ai caché les pièces dehors. Je les ai cachées sous la douche, sous la baignoire. Tu verras, elles sont cachées. Ok. Dans la terre. Ok. Dans la terre, sous la baignoire. Okay, arrête de parler, on va te sortir de là, ok? Du coup, tu reprends conscience, Stuart. Tu peux voir que Félix a Georges dans les bras. Tu vois que Félix a clairement une sorte de pansement qui a été émis. Il saigne de sang. Tu vois que David a une blessure au niveau de la joue. Ouais. C'est pas trop ce qui se passe. Ok. Toi, t'es tombé face contre terre. T'es couvert de sang et de petits morceaux de verre que tu retires. Ouais. Et du coup, je. Ah oui, attends, t'es tombé avec l'ampoule. Attends deux secondes. J'avais oublié l'ampoule, moi. Alors, est-ce qu'elle pète déjà? Moi, je pense que oui, mais bon. Elle pète. Yes. Et. Ouais, ok. Tu te relèves et là, tu te réalises que t'as des gros morceaux de verre qu'on traversait, et donc du coup là tu sais pas si tu les retires ou pas. Ouais, je fais ah. Moi pareil, bah du coup je regarde vite Stuart et j'essaie de voir si je peux pas déjà prendre une décision sur est-ce qu'il faut l'enlever ou pas. Yes, bah on va faire ça, hein. Ouais. Pas beaucoup, hein. Non. Moi, j'ai Stuart. Oh, oui. Il te fait non, mais faut les retirer. Ah oui. Attends, mais moi j'ai des premiers secours, je peux peut-être avoir un avis. Vas-y, dis, ouais, un autre avis. J'ai 50. Ah, ça va. Ouais. Du coup, toi tu fais non. Non. T'es sûr? Oui. Parce que je fais partie du FBI. Chez nous, on s'est tiré, bon, c'est surtout soigné. Du coup, il commence à perdre un peu confiance, hein, Georges. J'essaie de le maintenir etc. Ils m'ont attaqué. Ils vont. Qui t'a attaqué? Il pointe avec ses doigts les trois corps. Donc les deux créatures et le corps d'homme qui est face contre terre. Ils vont revenir. Non, ils sont morts là. Les Thomasiers, c'est mort, c'est fini. Il y en aura d'autres. Non, il n'y en aura pas d'autres. On va stabiliser. La garde-côte arrive demain. On repart demain. Ils viennent la nuit. Ils vont revenir. Il y en aura d'autres. Non, il n'y en aura pas. Il s'est fui. Non, tu comprends pas. Il est vraiment, vraiment pas bien. Donc, il perd conscience. Il est peut-être encore en vie, mais voilà, ça demandera un petit effort de le maintenir en vie. Si c'est plusieurs heures, il faudra à un moment ou à un autre revenir pour le stabiliser à nouveau. Je pose la main sur l'épaule de Félix.
Et je dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, il faut qu'on... Ouais, tirer sur les civils, par exemple. Je vous demande pardon. Je commence à regarder un peu autour de moi, je vais essayer de trouver un linge quelconque et essayer d'éponger un peu moi. Tu vois qu'il y a les vêtements de l'homme qui est par terre, hein. L'autre homme, hein, j'entends. Oui, oui. Parce que oui, ça, il y a un corps avec. Il y a deux corps de créatures et un homme mort. C'est ça. Tu le retournes, tu vois que. Il a une peau assez étrange, un teint gris rugueux, des yeux globuleux. Il a clairement eu deux balles dans le torse, ce qui. Oui, bah du coup je le remets un peu, enfin je le repose comme il était de base. J'essaie de prendre un déchirer un bout de tissu quelconque. Pardon, pas deux balles dans le torse, c'est une balle dans le torse et une balle dans l'œil. Ah yes, bah super. Mais ouais, j'essaie de trouver un bout de tissu un peu propre. Ouais, tu le prends. Vous pouvez voir que les autres créatures sont vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Elles ont un côté amphibien, comme des sortes de grenouilles un petit peu. Et la biologiste vous le dit directement. Ça n'est jamais vu. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ils ont des jambes un peu musclées qui voudraient dire qu'elles seraient extrêmement mobiles sur la terre ferme, mais en même temps, elles ont des nageoires, des branchies qui montrent qu'elles vivent dans l'eau. J'étudie leurs pattes. Ouais, clairement, c'est ça qui a fait les empreintes de pattes. Ouais. Vous pouvez voir qu'il y a. Enfin, elles vous montrent que les balles, en fait, elles sont notamment valides parce qu'elles ont toucher des zones tendres et vulnérables. Le reste, ils ont un épiderme en fait couvert d'écailles assez dures qui font une sorte d'armure naturelle. Donc, Cassidy, enfin George, a vraisemblablement bien visé. Aussi, il y a des sortes, sur les créatures, des sortes d'épines dorsales qui sont assez particulières, peut-être même empoisonnées. Mais surtout mobile, donc il pourrait peut-être projeter comme une sorte de porc-épic. Au-delà de ça, elle semble couverte d'une sorte de poison ou en tout cas de quelque chose qui, si en contact avec votre sang, pourrait être de mauvais augure. L'arme qu'avait George Cassidy, vous le voyez, hein, c'est un Colt qui est disponible. Toutes les balles ont été tirées. J'en ai en plus, c'est déjà ça. Vous pensez que c'est ces saloperies qui ont tué Warren ? C'est possible, je sais pas. Elle dit oui, c'est sûr. Elle montre les pattes, elle montre les trucs, les dents et tout ça. Elle dit oui, je vous le garantis. Ben super. Et selon Georges, il y en a plus. Vous pouvez aussi voir autre chose, c'est que la lentille de la lampe a été explosée par une balle, certainement. D'où le fait que votre bateau ait coulé à cause de ça. Vous pouvez voir aussi que maintenant, vous voyez, là où vous êtes, vous voyez pas mal en l'air et vous voyez un bateau, en fait, une petite barque qui arrive. Et vous y repensez, mais oui, le capitaine. Qui vous avait dit qu'il arriverait. Donc vous le voyez en bas. Ok, s'il y en a vraiment plus dans l'île, il va falloir nous barricader ici, en fait. Ouais, mais on peut pas les laisser venir ici. Non, mais il faut qu'il y ait des gens qui barricadent ici et que d'autres personnes aillent les chercher, en fait. Je serais pas en état de descendre là-bas, mais je peux essayer de... Ah bah ouais, moi je suis en état aussi. J'y vais. Que fais-tu du coup, David ? Bah, je pense que je veux rejoindre rapidement le capitaine pour lui dire de venir avec nous. Et... D'accord. Félix et Stuart, vous regardez pendant ce temps-là de là où vous êtes ? Non, moi je vais essayer de voir ce que je peux trouver pour barricader l'endroit, en fait. Il y avait un petit établi en bas. Ouais, Stuart, toi tu fais quoi ? Bah je vais aider... Oh. Non, je vais surveiller d'en haut. Surveiller d'en haut ? Ouais. Ok.
Stuart, tu regardes. Tu vois David descendre et se diriger vers l'endroit. Et... tu vois que autour de la barque... Oui, parce que ça, moi, je me souviens de l'avoir vu la forme sous l'eau. Des là, silhouettes sortent et traînent et tirent le capitaine et ses hommes dans l'eau. Tu vois ça. C'est trop pour toi. Ouais. attends deux secondes. Ok. Tu développes une thalassophobie. Là, tu commences à être en panique. Imaginez que tout corps d'eau contiendrait ces créatures horribles. Tu ne te vois pas remonter sur un bateau. Oui, non. tu es fasciné par cette vue que tu vois au loin. Tu n'as pas vraiment le temps de réagir. À tout de suite. Ok. David, tu descends, tu avances dans l'obscurité, tu vas au petit quai d'embarcation. Sur le chemin, t'entends dans les buissons, etc. Pas mal de bruit, hein, quand même. Tu sais pas si c'est le vent ou... Et t'arrives, tu vois l'embarcadère en bas. Ouais. La barque est vide, l'embarcadère aussi. La barque vacille comme ça. Personne, il y a pas de traces, je... Tu capitaine descends, pas de réponse. Et autour, il y a pas de... Non, c'est... Tu vois, remontant de l'eau et flottant, grâce à ta lampe, la casquette du capitaine. Je fais immédiatement demi-tour et... T'entends des bruits venant de l'eau. Ah, je vais deux... Enfin... Ouais. Je me retourne pas, je fonce. Très bien. Ouais. Félix, tu es avec Abigail, tu prépares des choses. Donc que veux-tu préparer, dis-moi. Qu'est-ce que tu fous? Il reste deux pièces en bas que t'as pas visitées. Il y a pas mal de choses comme ça. Abigail, elle reste avec moi ou pas? Oui, si. Enfin, sauf si tu veux pas, mais... Non, je lui dis, écoutez Abigail, allez chercher les deux pièces et j'essaie avant de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les deux pièces. Voir d'accord. C'est laquelle. Donc tu peux voir qu'il y a un dortoir et un garde-manger. Dans le dortoir, il y a trois lits faits au carré, il y a des livres, des vêtements, des choses comme ça. Tu pourrais fouiller, il y a peut-être d'autres choses, t'en sais rien. Et dans le garde-manger, il y a plein de bouffe, clairement de quoi nourrir trois personnes pendant peut-être des mois. Je lui dis, bon écoutez, allez dans le garde-manger, essayez de trouver des trucs qui pourraient nous être utiles, ou au moins faites un paquet de bouffe pour nous pour qu'on puisse ravitailler là-haut. Moi je vais aller dans la chambre, je vais fouiller un peu et je vais essayer de désosser les lits pour prendre les planches et essayer de nous barricader et faire quelque chose. Elle te dit qu'il y a dehors un atelier où il y a déjà des planches et des trucs comme ça, des outils, des dehors. Trucs comme ça, s'il faut. Dehors. Ouais, dehors. Bon, je vais quand même un peu fouiller la chambre au cas où il y a quelque chose qui nous aide, mais s'il y a déjà des planches dans l'atelier, bon, je me ferai pas chier à désosser les lits. Tu fouilles un petit peu. Tu trouves, tu passes, etc. Évidemment, tu sais qu'il y a l'un des lits qui est celui de l'agent du BOI, donc tu regardes peut-être plus en précision et tu vois 6 balles, une pièce d'or et un carnet de poche avec... quelques notes visibles. J'essaie de feuilleter un peu les notes. C'est marqué antécédent judiciaire de George Cassidy, impliqué dans les activités de contrebande point d'interrogation. Lumière sur l'eau, petite barque point d'interrogation. Trouver débris de bateau sur la rive nord. Trouver pièces d'or sur la rive nord. Plus gros qu'une affaire de trafic d'alcool, que se passe-t-il point d'interrogation. Smith a vu quelqu'un entre les arbres et est en train de regarder par la fenêtre. Des intrus sur l'île la nuit. Croisement point d'interrogation. Grenouille. Point d'interrogation. Est-ce que tout ça est sur la même page? Plus ou moins, hein, c'est... Oui. Ok. C'est vraiment des notes à la va-vite. Bon, je prends le carnet avec moi, des pièces avec moi aussi. Et les balles aussi, du coup. Ouais, très bien. Tu te rappelles de ce que t'as dit, Georges, par rapport aux pièces cachées sous la baignoire qui est donc dehors?
Oui, du coup, c'est ça que je cherchais. Donc la baignoire, elle doit être dehors. Bon, est-ce qu'elle serait vers le chemin, enfin l'atelier sur le chemin? Tu penses voir c'est où? Tu penses voir c'est où? Parce que t'as vu quand même les petites... Avant d'entrer dans le cottage, t'as vu des petites cabanes et elles sont pas très loin. Hein, donc ils vont pas faire non plus 20 mètres pour aller à la baignoire, logiquement. Donc tu penses que c'est à peu près dans le même coin que l'atelier. Donc à je vais essayer de faire un crochet par ça. D'accord. Et après l'atelier. Tu sors. En essayant de regarder un peu autour de moi avec mon flingue prêt, hein, au cas où. Tu sors. Vous rentrez, David et Félix, presque dedans. Félix en sortant, David en essayant de rentrer dans le cottage. David a l'air paniqué. Félix a son arme un peu sortie. Tu sais, il te braque immédiatement. Vous avez un flashback de la scène en haut. L'espace d'un instant, Félix, ton doigt est sur la détente. Tu sais que voilà. Il va pas me louper cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le capitaine? Ils ont disparu. Et je ferme la porte. C'est certainement les mêmes saloperies. Et je m'assois contre la porte. Je me dis Félix, tu veux sortir ou pas? Ouais, mais moi j'allais sortir en fait là. Ouais. Il y a des trucs qui vous poursuivent ou il y avait rien? Je sais pas. Certainement, il y avait trop de bruit. Je voulais pas regarder derrière moi. Ok, mais on va pas rester là. Il y a un atelier, il y a de quoi se barricader. Il faut aller chercher ça. Hein. On va pas se terrer ici en attendant qu'ils viennent nous chercher. Abigail arrive, elle fait c'est bon, j'ai empaqueté la nourriture, elle est en bas de l'escalier. Bon, déjà, on a ça, mais si on a rien pour se barricader, voilà. vous voyez Stuart qui descend de l'escalier, l'air complètement ailleurs. Il nous fait, lui. Allô? Stuart, vous allez bien? Allez, allez. Le radeau, la barque, il faut... Merci, le radas? Le radeau, la barque, les... Oui, eh ben... Ouais, ils ont disparu. Vous dites qu'il y a un atelier dehors et que vous voulez... Oui, j'y suis allé, moi, et on y est allé avec Stuart. Stuart, tu reprends un petit peu plus l'atelier, ça y est, ça te donne un ancre à la réalité. Il y a des planches, des l'atelier clous, de quoi se barricader, faut aller prendre de quoi se barricader. Vous pouvez passer par là, il vous dit que vous pouvez passer par la cuisine pour y aller plus facilement. C'est là d'où on venait quand on s'est retrouvé en bas. Voilà, moi, c'est ce que j'allais faire, et à moins que ça vous pose un problème, il faut faire ça. S'il y a effectivement d'autres bestioles, ou je sais pas ce que c'était que ces trucs, crevés sur le sol, s'il y en a plus, autant être préparé. Certainement plus. Il y en a, oui, il faut... Bon, voilà, on va chercher ce qu'on va décider. Ouais, je vais prendre un truc en plus dans la cuisine pour me défendre au cas où on se retrouve en close combat, je sais pas. Je reprends mon couteau de cuisine en plus de mon... qui est dans le couloir de toute façon, en plus de mon arme à feu, au cas où j'ai plus de balles. Et je te suis. Donc qui sort? Tout le monde? Je vais sortir. Vous sortez dehors. Même s'il y a le vent, même s'il y a la mer déchaînée, il n'y a pas de bruit du tout. Stuart et toi, David, vous remarquez que c'est très différent de ce que vous aviez entendu tout à l'heure. Comme si quelque chose vous épiait silencieusement. Je pense que si j'ai une lampe à huile, je l'éteins en arrivant dehors. D'accord. Vous arrivez donc jusqu'à l'atelier ou jusqu'à... Moi, je leur dis juste, moi, je vais juste fouiller les bâtiments, voir si c'est un truc qui peut être utile, et j'arrive directement. Moi, j'installe l'entrée je guette. Je t'indique juste le bâtiment qui est là-bas, c'est le générateur et il y aura rien de très intéressant. Il te montre le générateur et la... Ouais, okay. Très bien, à tout de suite. Tu te diriges donc vers là où il y a la baignoire. Là où il y a la baignoire. Très bien. Arme au poing. Ouais. Tu fouilles? Je vais droit au but. Très bien. Tu creuses, au bout d'un moment, tu trouves une sacoche en cuir. Et voilà, il te faut pas très longtemps pour comprendre. Hein. C'est de là-dedans qu'il y a toutes les pièces. Je la prends en essayant de la dissimuler. Est-ce que je peux la dissimuler sur moi? Tu peux essayer.
vais essayer de le décimer sur moi, et puis après je retourne. Disguise, stealth peut-être. Ouais, stealth à 20%, c'est pas... Pas femme. Être... C'est pas fameux, mais bon, on va voir. Ok, tu penses l'avoir caché. A tout de suite. Stuart, qu'est-ce que tu prends dans l'atelier avec Abigail? Ouais, je vais essayer de prendre des planches si j'en trouve. Ouais, planches, marteaux, tout ça, clous, tout ça. Ok, d'accord, très bien. Ça. Et si jamais j'ai moyen de choper genre une barre en fer ou un truc un peu comme ça pour servir d'arme un peu, au minimum. Tu trouves. Je sais pas quoi. Tu peux bidouiller quelque chose, ouais. Y'a pas de soucis. Ok. Ils reviennent, vous revenez tous, tous les trois, à l'entrée, enfin tous les quatre, dans la maison. Au moment où vous revenez, les bruits reprennent. Donc on a de quoi se barricader là. Vous voyez que Félix a clairement, sous son manteau, ça fait vraiment une bosse comme ça, au niveau de son torse. Vous avez tout ce qu'il faut ? Vraiment, ouais. Faut s'y mettre maintenant, par contre. Ok. Ok, ouais. Un peu... Enfin, bon. Vous ne faites pas de remarques par rapport à bah moi, je me dis que c'est peut-être... Il revenait de l'extérieur aussi, de toute façon. Moi, j'ai une forte idée de ce qu'il cache. Ah. Vous avez trouvé les pièces? J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à mon ami, qui va peut-être mourir, et donc effectivement, il m'a demandé de les récupérer pour lui. Ouais... Bon, c'est pas important maintenant. Allons nous barricader. Très bien, vous vous barricadez? Ouais. Je participe à l'effort. Vous participez donc à l'effort, tant bien que mal, donc vous faites quoi? Porte-fenêtre? Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse en sorte de... Est-ce qu'il y a une porte pour aller directement dans le... dans le phare. C'est la porte que vous aviez pris, c'est la porte. Je propose de barricader cette porte là, ça fera beaucoup moins de travail et nous on se met dans le phare, on a de quoi, on a des provisions, etc. Alors attends, non, je corrige, il n'y a pas de porte. Excuse-moi. Non, c'est ouvert. Ok. Ah, mais le phare. Il y a en gros 4 portes dans le enfin 5 portes dans le couloir, la porte extérieure. La porte des chambres où il y a 2 fenêtres, la porte du bureau où il y a 1 fenêtre, la porte de la cuisine où il y a une autre porte vers l'extérieur et 1 fenêtre. Vous n'avez clairement pas de quoi barricader tout. Après, vous pouvez créer, prendre des meubles et faire une pile devant l'ouverture de là où il y a le... Ouais, moi je me mettrais bien dans le bureau, je pense que c'est là où il y a le moins d'issue vers l'extérieur. Enfin, moi, c'est la réserve de nourriture où il y a le moins d'issue vers l'extérieur. Ah. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah ouais, mais on va pas se mettre dans un cul-de-sac. Ouais, c'est on se barre comment? Ah oui. Bon, après, vous connaissez. Et puis, je vais pas abandonner Georges aussi. On peut. Georges est tout en haut du phare. Oui, voilà. Ah oui. Pour ça que je suggérais de se mettre dans le phare, quoi. Et puis, ça devrait faire un goulot d'étranglement. Oui. Donc, vous suggérez de pas nous mettre dans un. Oui, mais vous. Cul-de-sac pour finalement se mettre dans le phare? Oui. Au moins, on aura un goulot d'étranglement. Sinon. Donc je précise, depuis le haut du phare, c'est un bon, bon 20 mètres de chute. Ouais. Ouais, moi je serais plutôt tenté de me mettre dans le bureau. Mais, comme vous voulez. Dans le bureau, il y a une fenêtre, mais il y a deux portes, dont une qui va à la cuisine. Et les deux vont tout près de l'extérieur. Ouais. Bon, il n'y a pas vraiment de bon scénario, j'ai l'impression. Écoutez, je peux proposer. Dans tous les cas, on n'a pas de quoi barricader absolument tout, donc il va falloir faire des choix. De toute façon, on n'a pas le temps. Je pense qu'il faut faire au plus simple. Oui. Du coup, j'imagine que le phare, c'est le plus simple. Oui, le phare. Comme ça, on pourra s'occuper de votre ami. Ouais. Et puis, le phare. On va juste, si on a le temps de barricader 2-3 portes, ça peut être bien comme ça, si ça peut ne serait-ce que ralentir des saloperies. Je suis preneur. Passer par les fenêtres, ça leur prendra plus de temps. Peut-être qu'on peut tirer, enfin récupérer des chaises, des trucs comme ça, Ouais, on peut essayer de mettre des trucs devant. Ouais. Très bien, vous bricolez tant bien que mal.
ce que vous estimez être au mieux, quoi. Hein, vous bloquez les accès principaux, on va dire. Et que faites-vous maintenant ? C'est fait. En tout cas, vous pensez que c'est fait. Il y a toujours la radio, du coup. Je remonte voir Jean. Moi, je reste en bas, près de l'issue. D'accord. Et toi, Stuart ? Moi, je remonte aussi, essayer de me mettre un peu plus à l'abri, puis je vais essayer de récupérer un peu, de m'asseoir contre un mur ou un truc comme ça pour... Donc tu remontes en haut ? Ouais. Ouais, ok. David, tu es seul en bas. Tu entends des bruits dehors. Au bout d'un moment, tu entends clairement des bruits contre les portes et les fenêtres. Tu entends effectivement des croissements, des bruits de griffures, de choses comme ça. Pour l'instant, tu as l'impression que ils appuient simplement. Ils n'essayent pas de défoncer. En fait. J'essaie de rester silencieux et je regarde vraiment, enfin, si ça a l'air de tenir. Et s'ils pour l'instant, pas de je te dis, t'as pas l'impression qu'ils essaient de défoncer. Du coup, je reste silencieux. Vous êtes donc tous les deux en haut. Félix, est-ce que tu essayes de stabiliser ou de demander à... Eh bien, demande l'avis de Stuart en plus. Stuart essaie de stabiliser un petit peu. Ouais. Il est lourdement blessé. S'il est pris en charge dans les 24 heures, peut-être qu'il peut être sauvé. Mais là, ça va être compliqué à dire. Ok, bah, on va juste essayer de le mettre un peu plus à l'abri, parce que là il y a la pluie qui peut rentrer et tout, quoi. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Essayer de le mettre un peu plus au sec. Je vais vous aider. En ce faisant, vous voyez tous les deux vers le contrebas. Vous comprenez qu'il y a des dizaines de silhouettes partout sur l'île qui se déplacent librement. Et vous comprenez que il y en a plein qui sont en train de s'agglomérer autour du cottage. Oh putain, Stuart, allez dire ça, allez prévenir David, oui, je vais continuer à regarder. Ok, ok. Très bien. Stuart, tu descends dans l'escalier 4 à 4. David, tu te retournes vers lui. Instantanément, vous ne voyez plus rien. La lumière a été coupée. David. Chut. Il y en a plein. Vous entendez des croissements. Ils sont derrière les portes. Chut. Ils essaient pas encore. T'entends une pression vraiment sur le bois. C'est le... Puis d'un coup, bam 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 bam. Il commence à pousser. T'entends le truc de partout. Ça commence à presque les gonds vont lâcher. Vous savez que là, il vous reste plus que quelques secondes avant que les portes peut-être n'explosent. Tellement la force a été... la force appliquée et puissance. Tu cours où ? En haut, je marche, je remonte. D'accord. Moi, je me jette dans sur la noir, porte et j'essaie de la... Dans le noir, t'as combien de dextérité, s'il te plaît, Stuart ? C'est en haut, à gauche. En haut, au milieu. 45. Putain ! Ok. Bam, 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 t'enchaînes avec une vivacité incroyable. Franchement, un succès critique, bravo. Yes. David, que fais-tu ? Je me jette contre la porte pour essayer de la retenir en me disant que je ferais peut-être la différence. Même ok, si, combien de force ? Déjà 85. Ouais. Ok, t'arrives et la porte commence à avancer et bam, tu la replaques contre ses gonds. À ce moment-là, j'estime que Félix t'entend ce qui se passe. Toutes les lumières se sont coupées d'un coup. En bas, t'entends des bam 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 contre le bois, etc. T'entends un touc 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 Stuart qui arrive dans l'obscurité. Alors, la plus totale. Je voulais juste, une fois que Stuart était sorti, je voulais juste faire un truc. Vas-y, dis-moi. Attends. Vas-y. Le carnet que j'avais chopé, je le balance le plus loin possible pour même essayer de le foutre dans la flotte. T'as combien d'extérité ? Pas assez. J'essaie de le balancer le plus. Ouais, tu le balances. Tu le balances, il arrive clairement sur le toit.
écoute. Oups. Il fait nuit. Ouais. T'as pas eu d'échec critique, hein, tout va bien. Du coup, se passe ce que j'ai dit. Donc, t'entends tous ces bruits, ce fracas en bas, des bruits de choc, de... Et puis en bas, bah, clairement, des croissements, des choses comme ça. Stuart qui arrive, qui est paniqué, qui a monté dans le noir complet l'escalier. Donc, clairement, il a eu un succès critique. Abigail, ils sont rentrés. Abigail était, elle aussi, en train de descendre, mais plus doucement. Et vous êtes un petit peu tous là-dedans. En bas, David, tu pousses. La porte tient, mais un trou commence à être griffé. Tu vois des griffes sortir de la porte, du bois, en fait, directement. Je crie « Venez m'aider !» et j'essaie de rester de... Si je me prends des... Enfin, ah. De... Parce que je me dis que si j'ai... Je me dis que j'ai envie de me défendre, mais si j'essaie de me défendre, je vais faiblir. Et du coup... Est-ce qu'il y a des meubles là où on est dans le... En bas ? Là où on est en haut, là, en haut. En haut, il y a un établi, il y a des choses comme ça dans la partie là où il y a la radio, quoi. C'est des choses qu'on pourrait pousser dans les escaliers. Vous voulez me tuer ? Non mais oui, vous pouvez. Je lui gueule, remontez, on va bloquer les escaliers. Si on va je remonte, ils vont pouvoir monter eux aussi. Et on met des meubles. Vous sprintez, je sais pas moi. Vous avez des jambes, non ? Je rallume une lampe à huile et je redescends au moins de la lumière un peu. D'accord, donc tu remets un peu de lumière. Bon, je le suis et du coup, si personne veut faire ça, tant pis. David, tu restes en bas ou pas ? Contre la porte ? Ouais, je reste en bas. Très bien. Il faut remonter, on pourra pas tenir... La porte... Donc t'étais sur... David, t'étais sur quelle porte ? T'étais sur la porte d'entrée ? Ouais. T'entends un bruit énorme. La porte de la cuisine. Remontez vite ! Ok, je remonte. T'as combien de dextérité ? 75. Ah. Tu sors derrière, instantanément, t'entends le bruit de la porte qui tombe au sol et un croissement horrible. Tu vois quelque chose sur ta droite et en fait tu comprends que la créature a juste fait tomber la porte, une autre a certainement sauté et ressauté juste à côté de toi. Elle te griffe le bras de toute sa violence. Tu sens que ton muscle, ton biceps claque et remonte le long de ton bras. T'as combien de... attends, je vais faire le jet. Ouais. Ça te fait... Tu hurles, mais comme pour vous, c'est pas un hurlement de douleur, c'est un hurlement de peur. De peur, panique, vous avez vraiment l'impression d'entendre un enfant paniquer. C'est vraiment pas un cri viril ou quoi que ce soit, c'est un cri genre presque ridicule en fait, de folie quoi. C'est vraiment... donc là tu commences à perdre panique. David, tu continues de monter tant bien que mal. Félix, Stuart, vous entendez tout ça, hein ? Bien sûr. Que faites-vous ? Mais du coup nous on est dans l'escalier, on vous le voit venir. Vous êtes en bas, vous voyez qu'il est en bas des escaliers... J'essaie de pointer mon âme vers les saloperies ou quelqu'un qui se rapproche trop. J'essaierai de leur tirer dans l'œil du coup. Ouais, très bien. T'as combien en armes à feu ? Je sais que j'ai censé être bon avec les armes de poing. Mais dans les armes à feu. 45. C'est mon œil. Félix, t'attends le bon moment. Tu sais, tu te rappelles ce qu'elle t'a dit, Abigail. Il faut pas tirer n'importe où, ils sont résistants. David arrive. Tu vois où il est et tu lui fais signe de se baisser. Il se baisse, une des créatures saute au-dessus de lui du fait de s'être baissée. Elle arrive et donc elle est face à toi. Tu tires. On a... Ça s'est enrayé, let's go. Ça s'est même pas enrayé, c'est un revolver donc il peut pas vraiment s'enrayer, mais ça ne marche pas. La créature arrive droit sur ta main, gueule ouverte. Elle referme sa bouche sur ta main avec le revolver dedans. Donc t'as littéralement une créature qui est en train de te bouffer les mains. Tu
tu pètes un câble. Là, t'es vraiment pas bien. Que fais-tu avec cette vision du fait qu'elle est en train de te dévorer les mains? Tu sens déjà tes tendons au niveau du poignet lâcher. Du coup, je peux même pas essayer de retirer, en fait. Tu peux essayer. Mais j'essaie de retirer, j'essaie de frénétiquement jusqu'à ce que ça tire enfin ou je puisse plus. Ok, ça tire. T'entends vraiment le... T'entends un espèce de bruit horrible à l'intérieur. La créature ne bouge plus. Elle glisse de toi avec elle par ta main gauche. Ta main droite est en charpie. La moitié de la peau repliée sur l'arme. Tu trembles complètement. Ta main gauche pisse le sang. Tu viens littéralement de le tirer dans la bouche pour le faire taire. Stuart, que fais-tu pendant que tu vois ça? David, toi, t'es à moitié écroulé par terre. Hein, tu t'es baissé de toutes tes forces. Déjà, t'entends les clopinements derrière. Il y en a plein qui sont en train d'arriver. Le phare, il est en pierre ou en bois? Le phare est en pierre. Ok, bah je balance ma lampe à huile derrière David. Très bien. Combien d'extérité? 45. Je lance la lampe à huile sur David. Il va encore mourir. Vous voyez la lampe partir. David, tu vois au-dessus de toi. Elle arrive et... Oh là là, c'est pendant quoi que je fais. C'est catastrophique. Et elle... Non. Tombe pile parfaitement. Tu as le temps de de voir là. Et vous voyez tous, il y en a plein qui arrivent en rampant. Des créatures qui sont... elles se chevauchent à moitié les unes sur les autres. Elles sont assez petites, hein. Mais elles sont vraiment abominables, comme des poissons des abysses. Et elles avancent comme ça, avec des dents de véritables requins. Et elles avancent les unes après les autres. David, il y en a qui sont à... Elles ne courent même plus maintenant. Elles savent, elles voient. Ouais. Abigail pète un câble. Se jette... vers toi, David, et essaie de t'aider à te relever tant bien que mal. Tu, par erreur, prends appui sur ta main. Oh. Tu sens le manque de capacité. Seul ton triceps lève ton bras et ça te fait une douleur phénoménale. Tu t'écroules à moitié sur elle, elle te relève. Félix, que fais-tu? Tu as encore ta main tremblante et ton autre main qui se vide. Tu te vides de ton sang en ce moment. Il te reste encore quelques minutes avant de perdre confiance. J'essaye de... Je vois la lampe à huile, j'essaie de tirer sur la lampe à huile. Ok. J'essaie de prendre le plus de concentration possible. Je vous partage mon écran parce qu'il y a un moment, c'est plus possible. Si vous n'avez pas vu, c'est 100. Wow. Ah ouais. Je plaisante pas. Hein. Du coup, tu... Je sais même pas quoi faire. Si, tu tires. Et t'entends une explosion. C'est ta première réaction. Donc tu te dis que t'as réussi. Tu comprends très vite que ce qui a explosé, c'est l'arme. Et ta main avec. Les morceaux de métal en fusion volent un petit peu partout. T'es comme ça. T'as littéralement l'avant-bras en putain de chou-fleur, quoi. T'es vraiment comme ça. Et tu vois ça. David, que fais-tu? Je précise que toi aussi t'as une arme à feu. Oui. Tu viens de voir ça, hein. Tu viens de voir l'arme exploser dans ses mains. Ça a explosé d'ailleurs près de ton visage, mais tu n'as pas de dégâts. Je pense que j'essaie de faire ce qu'il a fait, de tirer dedans en me disant bon bah... T'as combien en arme à feu? 55? 50. 50? Ouais. Ta main droite est inutilisable. Non, mais tu te fous de... Je vous jure que c'est vrai. Non, t'aurais fait un 100. Encore 100? Non, 99. Je vous jure sur ma tête que c'est vrai. Je ne fais pas... Je ne sais pas moquer. Ok. Tu putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu fais ça, tu tires au moment où tu tires. Il y a Abigail qui était en train de se relever devant toi. Tu lui exploses la tête. Ça vous aveugle de sang. Là, à ce moment-là, je pense que toutes les créatures marquent une pause.
Qu'est-ce qui branle? Est-ce qu'ils sont de notre côté? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un silence parmi les créatures. Et vous entendez en fait qu'il y a un bruit derrière, un gargouillement. Vous voyez un homme en imperméable avancer. Vous... Est-ce que vous faites quelque chose? Donc je précise, Félix, toi, t'es juste en train de regarder. Tu sais même pas ce qui se passe, t'as plus de main. Tu étais en train de te vider de ton sang. Stuart, tu viens de voir tout ça. Tu viens de voir Abigail genre se faire exploser la tête par David, qui décidément a un truc pour tuer les gens. Ah, j'avais pas vu la fois précédente. David, t'as toujours ton arme. Hein. T'es juste comme ça, t'as ton arme pointée. Avec difficulté, mais voilà, tu viens de voir, tu viens de tuer Abigail sous tes yeux, t'es sous le choc, mais la créature avance, les autres se sont arrêtés. Hein. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous attendez de voir ce qu'il y a? Nope, je me retourne et puis je remonte les marches, mais je pense j'essaie même pas forcément en courant. J'essaie de remonter, mais d'accord. Comme je peux. Vous entendez stop. Attends, je m'arrête. Je tétanisé. Moi, je faisais rien. Vous entendez juste. Les pièces sont à nous. Et il tend la main. Et il a deux pièces dans les mains. Et il fait cling, cling. Moi, avec. Clairement, je les prends à... Ah oui, moi, je le laisse faire. Quitte à le bousculer, à le violenter. Ah. Moi je le laisse faire. Je fais pas du tout attention à toi. Et je lui donne du coup, je l'éclaire pas. Tu vois, alors qu'il s'avance, que la lampe au sol éclaire son visage. Il a ce même visage disgracieux, inhumain, que le corps en haut. Les pièces. Il commence à partir. Et toutes les créatures commencent à reculer elles aussi et à laisser les choses telles qu'elles sont et ils partent. Vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Vous êtes figé. Vous ne savez pas s'il s'est passé une minute, deux minutes, 10 minutes, une heure. Au bout d'un moment, vous reprenez un peu plus conscience dans le sens que Félix, tu t'écroules. Enfin, t'es pas mort, hein, mais t'es vraiment pas bien. Hein, t'es au bout de tes forces. Ouais. Stuart, viens. Faut s'occuper de Félix. Oui. Félix. Je descends un peu les marches. Ouais. Stuart. Oh non, il va tuer Félix. Non, mais... Je vous jure, je fais pas exprès, mais là il y a un moment où. C'est de l'acharnement. C'est pas si pire, 78. 78, c'est pas si pire, mais bon, c'est bien pire que ce que t'as. C'est trop. Écoute, Félix, il arrive et il essaye de faire quelque chose. Ça, clairement, ça ne soigne pas ce que t'as. T'as perdu trop de sang. T'es en train de perdre conscience. Tu sais que c'est tes derniers instants. Dit quelque chose, Félix, à David et Stuart. David, qu'on soit bien d'accord, t'es pas en bon état non plus. Ouais. Stuart, étonnamment, ça. Non, je dis rien, j'ai rien à leur dire, je les connais pas, je les emmerde. Mais je lui dis, ça va aller. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je sais que c'est faux. Du coup, je lui réponds, va te faire foutre. Moi, je vais être un peu en mode, je suis désolé, puis je vois que je te fais mal plus qu'autre chose. Stuart a essayé de donner un coup de main. Finalement, Félix perd conscience. Vous attendez dans le froid, David, t'es vraiment en mauvais état, et puis au bout d'un moment, les gardes-côtes arrivent. Et là, il vous demande ce qui s'est passé. Stuart, David, que dites-vous? Ce que je dis la vérité, il y a les cadavres des créatures en haut encore, normalement.
Je cherche pas à cacher tellement ce qui s'est passé. Moi, j'essaie de rester évasif pour dire que j'ai pas vraiment tout compris. Parce que j'ai certainement pas tout compris non plus, mais je veux dire, je veux pas me compromettre non plus. D'accord. Donc tu racontes ce qui s'est passé avec ces créatures, etc. ou pas plus ? Bah, je dis que j'ai pas compris ce que c'était. Ouais. Mais que voilà, on s'est fait assaut. David, on te demande si c'est bien toi qui as tiré dans la tête d'Abigail. On te demande, pareil, pour les mains de Félix, la blessure que Félix avait. Puisque pareil, il y a une balle dans le corps de Félix qui t'appartient. Oups. Donc clairement, clairement Stuart, tu es pris pour un fou, hein. On va pas passer par quatre chemins. et toi, David, il y a toute une enquête qui est menée contre toi, qui révèle pas mal de... Enfin, tu sers en fait tout simplement d'homme de paille, hein, pour pas mal de trucs. Et puis finalement... pareil, t'es destitué, on te fait interner. Mmh. Vous vous retrouvez, Stuart, David, tous les deux dans le délicieux asile d'Arkham. Ouais. Sympa. Et vous vous croisez de temps en temps. Compagnon d'infortune. Et par contre, l'ancien gardien de phare, lui, est toujours en vie. Oh. Monsieur Smith ? Comment il s'appelle ? George. Lui. Ah oui. Georges. Ah, okay. Et du coup, lui, il a pas, il est resté suffisamment dans l'inconscient, etc. Quand on l'interroge, il dit que non, il se rappelle plus. Et voilà, quand on lui demande des trucs par rapport à toi, David Young, et qu'on lui dit il y avait quelqu'un du BOI, etc. Il t'accable. il dit qu'il t'a vu tirer sur Félix. Etc. Ah, le sac à merde. Donc, c'est vrai en même temps. Oui, mais alors. Et une compensation financière lui est donnée, bien évidemment. Donc, il s'en sort bien. J'estime que. Félix a peindre dans le. Félix, j'ai jamais vu autant. Ah non, mais... dans un scénario, j'ai rarement vu autant d'échecs critiques. Sincèrement, de des 100 c'est rare, mais des. Des 99 c'est rare, mais il y a eu plusieurs 99, 1 et 200 ou 100. Genre d'affilée, c'est hardcore. Ouais. Vraiment, ouais. C'est hardcore. Le coup de la lampe, ça m'a fait quand même bien rire. Donc le scénario, c'est le phare défaillant, je le rappelle, qui est un scénario officiel. Alors il est censé être un peu plus court que ce qu'on a fait là. Mmh. Il peut se jouer en une heure. Ok. Pourquoi pas. Moi, j'ai juste voulu allonger un petit peu, vous laisser faire vraiment prendre un votre temps d'explorer un petit peu tout, etc. Parce que je trouve ça plus sympathique. Mmh. Je trouve qu'il est fun. C'est pas le scénario le plus dingue du monde, mais je trouve que c'est un bon scénario d'introduction pour les gens qui savent pas jouer à l'appel de Cthulhu. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Et je précise aussi pour ceux qui achètent aussi de l'écran qu'il y a la maison hantée, qui est pour moi l'un des excellents scénarios d'introduction. Et vraiment qui permet de découvrir un petit peu plus Cthulhu et ouais, ces deux scénarios là sont très très cool si vous voulez démarrer, donc voilà, trop bien, bravo Gekmou, Gabichou et Sirfin. C'était pas vous avez perdu beaucoup de choses, hein. Ouais, des potes. n'hésitez pas, cette histoire de pièces là, oui, en gros il y a un bateau qui a été il y a eu un bateau qui s'est échoué parce qu'il y a eu une défaillance du phare, comme vous l'avez lu. Okay. Et c'est un bateau, en fait, des pièces d'Innsmouth qui vont, en fait, donner au profond. Ouais. Sauf qu'en fait, eux, ils ont récupéré les pièces au fur et à mesure, sauf qu'ils ont découvert qu'il manquait plein de pièces, en fait. Et c'était pris par le gardien de phare, donc ils vont les récupérer. Okay. Et juste, ils veulent les récupérer, c'est tout, ils veulent pas faire tout un bordel non plus. Maintenant, je pense qu'ils ont peut-être soudoyé les gardes-côtes ou un truc comme ça pour faire genre, ah oui, c'est des fous, tout ce qui s'est passé, machin. Dégages les créatures viteuf et puis il n'y a plus rien. Et surtout, la plupart des blessures que vous avez, vous êtes soit infligées vous-même, soit elles sont facilement infligeables par autre chose qu'une créature impossible. Oui. Donc, avec
la personne la plus crédible est la personne qui a fait le plus de dégâts, notamment à l'autre personne la plus crédible qui est un docteur. Il lui a fait un headshot littéralement. Oups. Il a tiré dans le torse d'une des personnes mortes qui a les deux mains explosées. Je pense que t'inquiète. Ouais, il peut ouvrir tout facilement. Je pense, tu vas pas réussir à tuer Stuart, dommage. Donc ouais, n'hésitez pas les gens à faire des clips hein, si vous voulez. La relive va être dispo encore quelques heures. Donc si vous voulez faire des clips des moments de fail, c'est le moment. et pareil, vous pouvez en faire sur YouTube quand même, je crois. Mais voilà. Ouais. Nekour dit pas mal le nouveau Suicide Squad, un peu violent vis-à-vis des personnages. J'aimerais qu'ils en sortent un peu mieux. Ouais. Franchement, j'ai laissé la possibilité de s'en sortir. C'est pas ma faute s'ils ont fait des échecs critiques. C'est de ta faute. Tu nous sabotes, Maxime. C'est tout. On le sait. Ouais. Attends. Mes explications, 53. Tes explications, Gekmou, 27. Tes explications, Gabichou, 41. Et Sirfin, 18. Ah, c'est Sirfin qui l'emporte. Le chat, ceci dit, 66. Oh, moi tant que je peux aller faire des petites peintures après pendant mon asile. Stuart s'en est étonnamment bien sorti parce que t'as. C'est vrai, mais même les jets de santé mentale, il a très bien pris. Hein. Il est tombé face au cadavre et tout, c'est une perte possible assez élevée. Il a bien pris et tout. Franchement, ça va. Hein. Ouais, c'est juste un moment où je me suis évanoui. Et... Ouais, mais ça va. En vrai, tu t'es évanoui à un moment finalement. Après, tu t'es évanoui. Ah putain, j'avais oublié que tu t'es évanoui sur les morceaux de verre, donc c'est vrai que t'es quand même des blessures. Ça, c'était pas ouf, je suis quand même un peu blessé, quoi. Mais bon. Mais vite fait, quoi. Disons que ça aurait pu être empiré par un certain David Young. Oui, c'est vrai, en plus, t'as failli le tuer aussi. Putain, c'est vrai. J'avais complètement oublié cette affaire. À la fin de l'histoire, il y a plus que lui, tout le monde est mort. Et... Comment ça, t'as mais fait passé quoi j'ai pas, parce qu'il avait les morceaux de verre et David voulait lui retirer. Ça l'aurait fait des dégâts bien plus grands. J'avais complètement oublié cette affaire, putain. Mon plan depuis le début était de tous vous tuer. C'est Gekko le MJ depuis le début. Le tweet que j'ai fait où Mince Sirfin, tu disais. Oui, des moins face aux joueurs, ouais. Contre les joueurs. Finalement, c'était très juste. C'est ouf. Ouais. Bah écoute, c'est chaud. Et truc rigolo, c'est que c'est, je crois que c'est ma première partie de Cthulhu 1920 en tant que joueur. Ever. J'avoue, parce que ouais, t'as fait Paranoia, Delta Green. Ouais, non, c'est vrai. Bah écoute, bienvenue dans Cthulhu 1920. Apparemment, t'as bien tué des gens. J'ai fait grande impression. Du coup, je ne rejouerai pas avec toi. Les gens. En tant que MJ, mais pas trop en tant que joueur. Ouais, la semaine prochaine, vous aurez le droit à une partie de Delta Green le vendredi 29 avec Dickie P, avec Emily Devers dans le nez. Et avec ma max de thunes, donc ça sera vendredi. Ça sera pareil, un scénario, je pense, du commerce, je verrai. Bah, c'est cool, ça permettra de finir ce mois très Delta Green en fanfare. Donc si vous voyez ça sur YouTube, techniquement, c'est ce soir. Ne le ratez pas. Voilà. Et bah écoutez, merci à vous trois, merci... aux gens qui ont suivi vos mésaventures. On se retrouve à 21h ce soir pour Dragon's Dogma 2, en espérant que je puisse commencer une nouvelle partie sans être soft-ban. Dès le début du live. Sinon, vous inquiétez pas, on fera autre chose. Hein. Et n'oubliez pas non plus que dimanche, on commence notre grande épopée sur Resident Evil 1. Je l'ai modé et tout pour qu'il soit encore plus joli. Trop bien. Donc ça va être très très cool. Il a ajouté des mods avec des gens à poil, c'est tout ce qu'il a c'est fait. C'est ça. Ouais. Plus joli, mais tout le monde est nu. Plus joli. Tout le monde est à poil. C'est à 21h dimanche pour ça. Bisous partout. Et à très bientôt, je vous laisse avec le générique de fin. Ciao.
J'allais dire à demain à Félix, mais en fait, bah non, peut-être pas en fait.